C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah non, j'ai pas le lien du live. Bon, bah, si un modérateur passe ici. Modérateur. Hop, voilà. Ou Elec ou autre quelqu'un, voilà quoi. Donc yo, bonsoir. Hello, 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 hello. Bon, je me prépare. Salut, ça va? Moi, très bien. Bah oui, ça va très bien. Ça va, ça va, ça va. Je vais peut-être, je sais pas si je vais aussi bien que ceux qui sont en train de gueuler dehors, mais ça va. Ça va. Ouais, ça a l'air d'être la fête, hein, dehors. On dirait qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, quoi. Alors, bon déjà, on va mettre ça là. Et on va regarder les récompenses, du coup, les prochaines récompenses. J'ai pas fait gaffe à ça. Bon, en vrai, il n'y a rien de bien spécial. Oh, ça va, il y a pas mal de gemmes, hein, sur... Ouais, 20, 20, 20. Bon, du coup, suivant. Champion du monde, sur Duel Links. Arix, dis-moi que c'est sur Duel Links qu'on est champion du monde, quand même. À un moment. Au Team Wars. Bon, vous pariez sur quoi, là? On va parier sur quoi, sur ce booster? Sachant qu'ils ont dit que... Je sais plus si c'est tous les boosters ou si c'était un booster spécialement qui était... qui était... On avait sur une carte SR ou UR. Mais du coup, à votre avis, on va faire quoi, là? On va voir quoi? Une ultra? En vrai, je knocker pas mal, puisque la plupart des cartes dedans, je les ai déjà en x2, x3. Mais bon, nous allons voir. On a un multiplicateur. À chaque fois que j'ouvre un booster, 3 UR. Ah, bah c'est bien dommage, Arix, tu as perdu. Tu vas voir que des R. Carte céleste. Les gars, genre multiplicateur, j'ai l'impression de l'avoir à chaque fois. Terrible. Le chevalier, Magi Dolls. Ah, c'est pas mal en vrai. Attendez. Oh wait. Je rêve où j'ai eu deux fois la même carte. Ah, le petit double chevalier, hein, quand même. Ça fait... Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah ouais, 3R. Ah, c'est bien dommage, ça. Tout recevoir. Aïe, 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 aïe. Vous avez reçu 6 objets. Ouais. On va regarder les missions du mois. De la semaine, je veux dire. Il faudrait vraiment des missions du mois, mais genre, ça rapporte beaucoup. Tu présentes quoi cette semaine? Je ne sais pas. Maintenant, je peux faire au jour le jour, vu que je suis... Vu que ma situation a changé. Maintenant, je peux faire au jour le jour. Oh, nice. Mon Kuribandi a l'air vénère. On va utiliser Chevalier Gemme. Je ne sais pas du tout, en fait. Magidolls, je voudrais bien présenter ça. On va prendre ça. On en parle de l'event qui donne une gemme à la loterie. Saussade. Saussade. Ouais, en vrai, c'est un petit peu chiant, mais... Bon, je pense que la prochaine fois, ils vont résoudre ça. Je pense qu'ils résoudront ça. Pouette. Et voilà, Dark, le sub. Le sub avec son ticket SR. Prismatique. C'est le ticket SR brillant en plus à côté de ton pseudo. Du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je disais, vous m'avez coupé. Ah oui, les decks que je vais présenter. Magidolls, peut-être. Là, je ne sais pas encore. Peut-être Bête Gladiateur, nouvelle version, même si bon, rien de bien transcendant avec les nouvelles Bêtes Gladiateurs qu'on a. Après, je ne sais pas.
Et on va terminer notre tour là-dessus. Ah, Cafortville, le sponsor avec le ticket S. Le ticket S. Le ticket est super rare. SR. Je préviens d'emblée, la France a gagné la Coupe du Monde, c'est cool, mais spammez pas comme des débiles. Ou je. Théo. Voilà, Théo. Exact. Incroyable. Incroyable. Je rêve où mes parents ont regardé le match. C'est terrible. Je suis vachement déçu. Je suis vraiment déçu d'eux. Capricorne, bonsoir. Pitié, autre chose que le mondial, oui. Du coup, en plus, comme je regardais toujours le chat via. Terrible ce que je me prends. Terrible ce que je me prends, j'ai pas fait gaffe. Ah bah, saussade. Du coup, vous m'avez encore coupé. Je me suis coupé moi-même, je ne sais plus. Oui, voilà, vu que je regardais toujours le chat via le Restream, pour avoir les deux chats, Twitch et YouTube en même temps, ben, je ne pouvais pas voir qui était sponsor ou pas. Terrible. D'ailleurs, les sponsors, vous aurez bientôt un nouveau nom, il me semble. Ouais. YouTube, ils veulent changer ça. Bah déjà, normalement, ça devait plus. Aujourd'hui, depuis peut-être un mois ou plus, genre, vous vous appelez plus des sponsors, vous vous appelez des soutiens. Si, je vous jure. Et on va taper, hein. On va taper. Let's go. On en parle du Kuribo qui sert pas à grand-chose. Non, il sert pas à grand-chose. Et hop, on passe. Jozo vient de follow, bienvenue à toi. Vive joueur Yu-Gi-Oh! Français. Eh oui. Et du coup, ça ne change rien, en vrai. Non, ça ne change rien. Et je crois qu'ils veulent encore changer ça. Du coup, ça s'appelait soutien. Et ils veulent rechanger ça en, je sais plus, abonnement payant, un truc comme ça. Lui, c'est quand. Si cette carte attaque ou est attaquée. Donc ça, c'est bien. Et ça, c'est le parfait contre au chevalier gemme. Ah! Tant que le prix reste le même, Osef du nom. Oui, c'est totalement ça. Nous allons reprendre Tourmaline. Bête fantôme, c'est Worth? Non. Worth. Worth it? Non. Par contre, Naibot, ce live est aussi disponible sur Twitch. Non, ce n'est pas vrai. Ne l'écoutez pas. Je ne l'ai pas mis à jour, Naibot. Il y a le live que sur YouTube. On va retirer du jeu L. Avec ce 12 juillet, c'était mon anniversaire. Je pourrais faire un duel contre toi dans la session STP comme cadeau. Mais le problème, c'est que si je dis oui, les gens vont venir me voir, vont me dire ah c'est mon anniversaire, alors qu'absolument pas, ils vont se dire ah bah j'ai juste à dire que mon anniversaire c'est aujourd'hui, du coup il va m'affronter, je peux pas, juste pour cette raison. Je suis désolé mais je vais pas pouvoir faire ça. Sinon je fais un maître genre maître diamant, c'est pas ouf. On va faire fusion chevalier gemme. On va invoquer Prismora. Kimigan est devenu sponsor, bienvenue. Merci beaucoup. Et du coup, je. Attendez. Du coup, plus. Mais quoi? Il sponsorise la chaîne avant de sponsor. Très bien. Enfin, non, il sponsorise avant de follow, quoi. Ok, bah merci beaucoup. Non, franchement, merci beaucoup. Et du coup, ça, je sais plus. Je ne sais plus si tu es le 14e ou le 15e sponsor. Soutien, peu importe quel nom on appelle, par quel nom YouTube appelle ça. Et du coup, ça débloque. Si t'es le 15e, normalement, ça débloque une nouvelle emote sur le chat. Ouais. Ton deck, il est méta. Moyen. Je dirais que ça va passer jusqu'à genre légende. Si t'es assez déterminé. Oh, Providence Ultime, c'est incroyable ça. SLT. Du coup, Kimigone, tu peux rejoindre le.
peux rejoindre le Discord et lier ton Discord à YouTube, ou ton YouTube à Discord, peu importe dans quel ordre. Et du coup, tu auras aussi le fameux grade sponsor sur le serveur. Et du coup, tu pourras recevoir l'idée de la session si tu veux m'affronter en live. Et je perds encore des points de vie, j'ai pris vachement cher. Ouais, la France. Avec Suki, je t'aime. Merci. Et j'ai sponsor depuis Twitch. Ah ! D'accord, c'est pour ça que... Bah, c'est pareil. Sponsor, sub Twitch. C'est pareil, Kimogun. Bon, du coup, sur le chat, là, tu n'as pas l'icône Twitch. Mais, du coup, sur Twitch, tu auras les trucs. Je fais comment ? C'est pareil. Enfin, du coup, pour Twitch, du coup, tu lis ton compte Twitch avec lequel t'as eu le... avec lequel t'as sub à ton Discord. Donc, c'est à peu près les mêmes étapes. Et... comment on va faire, là ? On va taper avec ça, on va mettre Tourmaline. Et du coup, c'est pareil, c'est les mêmes étapes. Sauf que au lieu de lier YouTube à Discord, c'est Twitch à Discord. Voilà. Tout simplement. Avec, je partirai à 21h30 pour le live LG UHC de Guile. Je ne sais pas qui c'est, mais bon. Je ne sais absolument pas ce que qui c'est. Ouh, Jesus! Je pense que j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu. Ouais, ouais. D'accord. Mais non. Non, le bébé tigre va pop. Est-ce que ça fait le taf? Je pense définitivement que ça fait le taf. Non, mais je sais que c'est du Minecraft, UHC et tout. Mais genre, ouais. Tu penses quoi de l'event, Alex? C'est sympa. Ça donne des petites récompenses, ça donne du nouveau support. Par contre, je vais sortir Mers Fourrure, puisque... faut un moment qu'on se débloque, quoi. Je veux bien jouer Chevalier Gemme un petit moment, mais bon. Et du coup... remplatine. Ouais, bah oui, il faut remplatine 2, genre, je stocke... Regardez, il évolue! Sphiribola! Il a évolué. Ton deck Chevalier Gemme est cher et difficile à jouer, non? Difficile à jouer... Genre... franchement... il faut le jouer quelques fois et ça va bien. Genre, tu maîtrises. Tu lis les messages sur Twitch. Ben, y a pas le chat Twitch. Je ne suis que sur YouTube. Mais cher, je dirais pas tant que ça. Bon, ça, tu vous remplacez par Kuribo classique. Tout le reste, c'est des rares, communes. Bon, après, c'est sur Dubbox, donc c'est assez chiant. Je tiens bien à vous l'avouer. Ça, il faut absolument 3 fois. Ça, absolument. Ça, vous pouvez remplacer par de la défensive. Clairement. Et après, c'est ces 3 cartes-là qui sont un petit peu chères. Mais non, sinon, ça va bien. Du coup, on va sortir Mers Fourrure. Hein. Par contre, donner les gemmes une par une à la loterie, c'est de la bouse. Terrible. Deck pay to win. Attendez, j'ai le bon deck. Hein. Je vérifie quand même que j'ai le bon deck avec Crawler. Ah, Mers Fourrure. Bon, bah, bonne soirée alors. Salaud. Merci Skill Nice. Mais j'ai appris les nouvelles techniques des joueurs qui est, voilà, tu détruis tes propres monstres. Je sais pas pourquoi, je vois de plus en plus souvent des Mers Fourrure utiliser l'effet de Dunpa pour se détruire lui-même, quoi. Tu penses quoi des gens qui râlent sur le jeu en ce moment? Ça dépend sur quoi ils râlent. Mers Fourrure, nouveau Sylvan. Bah, c'est le nouveau free-to-play, très facile à faire. Ce que je pense être une bonne chose. Mais bon, les FR préfèrent qu'on fasse full deck pay-to-win ou trop compliqué à faire. Genre, les gens ne râlent pas sur Aéro Masqué. Non, faut juste 3 UR d'une main box. Mais non, faut mieux râler sur Mers Fourrure, qui est un deck totalement méta, facile à faire. Qui coûte pas beaucoup de gemmes. Mon départ dégueu. Qu'est-ce qu'il y a? DKHD97 vient de follow, bienvenue à toi.
Si tu es full board, tu fais plus rien. Oui, bon, après, c'est quelqu'un qui gère bien le deck. Ça va. Bits. Tu risques l'OTK. Apparemment, non. Apparemment, non. On ne m'a pas OTK. Du coup, on met ça. On active l'effet de Bits. On récupère Dyna. Wiz. Non, je vais prendre Wiz. Isekai Mahou. Mais bien sûr, Isekai Mahou, les gars. Tellement... tellement un bon animé de qualité. En tout cas, l'humour de cet animé est vraiment de qualité. On va placer ça en mode défense. Ouais, Wiz, genre, pour être... on va sécuriser, quoi. On va détruire sa carte, son monstre. Et on va taper. Et voilà, si quelque chose fasse cacher, on l'annule avec Wiz. C'est quoi le problème avec les gemmes? Avant, genre les loteries, tu pouvais gagner genre, c'était 1, 5 ou 10 gemmes. Mais genre 10 gemmes c'était rare et après sinon 5 c'était la moyenne. Et maintenant ils font gagner plus qu'une à la loterie des events. Donc bon, en vrai, je trouve ça vraiment... Genre, c'est pas ouf d'avoir fait ça. Je peux comprendre que les gens râlent. Mais, par exemple, le mouvement qui s'est lancé, que j'ai vu la vidéo de Decade, genre, je trouve ça débile. Recon. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu l'étaler là. Mais regarde, il joue Gusto, faut bien que je lui laisse un tour. Bon, je viens de lier, j'ai plus qu'à attendre que mon grade me soit remis. Ouais. Ouais, en fait, bon, le grade met du temps à venir sur Discord. Mais t'inquiète, Colabi veut juste enterrer le jeu, où est le problème? Gusto. Nani. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Pour cibler un monstre contre un monstre Gusto, vous contrôlez et changez le contrôle des deux monstres. Qu'est-ce que tu veux faire après? Qu'est-ce que tu veux faire après? Tu veux prendre mon monstre? Juste, si c'est juste pour tempo, je te vole ton monstre après. Hein. Ok. Tu vas faire un pack opening de la loterie? Ouais. Oui, c'est Kai Mao. Oui, j'ai compris. La fin de cette carte est dans le cimetière. Hein. Okay. Gusto tier 0, tellement. Ça c'est bien, ça c'était juste pour invoquer quelque chose. C'est à la fin de la battle phase, tu veux invoquer quoi avec ça? Moi j'en vois pas trop des mers fourrures en vrai en ligne. Bon, peut-être parce que je suis encore en plate. Qui a demandé un deck Glider Beast, by the way? Personne ne me l'a demandé, en tout cas, je ne crois pas. Ah, pas mal la combo. Oh, pas dégueu la combo. Il y aura du Match Idols de la part de Gouter Discord, oui. Il y en aura. Il y en aura, il y en aura. Wizzo. Wizzo. Il y a un truc qui chain, face cachée. Activer Recon. Tu peux faire un deck avec les nouveaux Bad Gladiators. Je pense faire ça peut-être. Pas besoin de présenter. En vrai, il n'y a pas... Genre, le deck va pas grandement changer. Genre... Il y a plus de mers fourrure depuis que tout le monde peut contrer facilement avec Canadia. On va activer l'effet de Recon. 90 vues. Que 24 dislikes. Comment ça, dislike? Non, que 24 likes. Bits. Ouais, j'avoue liker le live. du coup, Wiz, redonne-nous encore des points de vie, là. En légende des cogs, tu tombes dessus quasi non-stop, ça saoule sérieux. En légende, je veux bien te croire, mais genre en cog, qui fait ça. Et invoquez-le spécialement, lorsque cette carte est retirée du terrain, détruisez ce monstre, blablabla. On va activer l'effet de Wiz. Shut up! Les nouveaux sont pas ouf, y a pas la phase 2. Yep.
Il n'y a pas la même phase 2. Et surtout... Surtout, ça va lui prendre un emplacement de sur le terrain. On va prendre Dina. Et... Nous allons sacrifier le Recon. Recon. Activer la compétence. Je pense que je l'ai là. Ouais. Activer. Attendez. J'arrive. Genre si... Mais du coup, ouais, je disais, genre en cog, s'il y en a qui jouent ce deck en cog, genre ils ont pas de vie, quoi. Ils n'ont que ça à faire. Hop. Hop. Et voilà. Alex, tu me zappes MDR. J'ai pas fait gaffe. Je ne peux pas tout lire hein, et me concentrer sur les games. Donc ouais, genre les bêtes gladiateurs, à l'époque, auraient été bien. Genre c'est cela. Aujourd'hui, c'est l'archétype est trop lent, en fait. Est-ce que c'est utile de mettre un Jinzo dans un deck Merse Fourrure à la place d'une des trois Whiz? J'ai envie de dire why not. C'est tout à fait possible. Tu as déjà tenté des decks expérimentaux, genre un deck H des fous. C'est vague ça, mais... Je crois pas pouvoir dire oui. Même avec les nouveaux supports BSG, c'est mort et enterré. Les Cog ne jouent pas Merse Fourrure. Pour moi, ils ne jouent pas Merse Fourrure. Genre, quand t'es Cog, t'as pas à jouer ta vie. Genre, les gens qui sortent Merse Fourrure en plate ou en légende, je veux bien. Tout à fait normal. Le but du ranked, c'est de gagner. En tout cas, c'est pas le but de ma main actuellement. Ça, c'est clairement pas le but de ma main. Grain interdit, contrôleur d'ennemis, voilà tout ça. Et on termine le tour. J'ai pas compris les joueurs en ligne qui se suicident. Ça c'est pour les compétences. En fait ça va plus vite entre guillemets. Le deck de structure de Yugi en 3 fois sera utile ou pas Alex Yuki? Quel deck de structure Yugi? Oh beats. Grain interdit. Chez. Il y en a beaucoup aussi des mers en cog. Et bah les gars. Les gars, ils forcent un petit peu quoi. Il y a des fourrailleurs en cog, mais ils n'ont pas de vie alors. Bon, déjà que je sais qu'il y a des mers fourrures en non classé. Genre, je crois que c'est encore pire. Niveau ça, quoi. J'ai commencé il y a 5 jours. Je suis hors 4-5, mais je bute sur les decks amazonesses. Comment les counter, sachant que je n'ai pas encore sphère mur? Sphère et mur ne sont pas forcément des trucs que dont tu as besoin. Là, ça va être compliqué, en vrai. Ah, le deck du magicien silencieux, bien sûr, ok. Alors c'est pas le deck de structure Yugi, genre il n'y a aucun rapport avec Yugi les gars. Comment faire ça? Comment tu jouerais Spellbook Free to Play après le nouveau restart? Tu jouerais pas Spellbook. De toute façon, il va détruire mon monstre, donc je suis obligé de faire au moins un Graal interdit, annuler son effet. Il faut gérer l'assaut amazonesse totalement. Il faut des cyclones cosmiques. Il faut... Hatrenade, des cartes comme ça. Mais Alex, non, Hatrenade ne sauve pas forcément. Mais Alex, pourquoi tu ne ferais pas le deck que tu as dans Réserve aux Destructions, l'histoire de voir ce que ça donne sur Dueling CMDR. Et invoquer normalement. J'ai dit que j'avais quoi face cachée là? Ah oui, la pagaille. Est-ce que je sacrifie? Ce serait assez ballsy de ma part de faire un contrôleur d'ennemis et le sacrifier et Icon Take. Tu refais tes lives sur YouTube?
J'ai jamais arrêté de faire des lives sur YouTube. Est-ce que le fait que le deck magicien silencieux soit payant, c'est pour montrer que le pay to win sont privilégiés? Absolument pas. Absolument pas, puisque genre le deck n'est pas compétitif. Sacrifier un monstre, allez on y va. Par contre, n'écoutez pas Naibot sur le dernier message qu'il a mis. Ne l'écoutez pas. Ce live n'est pas disponible sur Twitch. Faut que je lui enlève cette commande. Hop. Donc ouais, en fait les gars, pour ceux qui sont là sur le live, qui écoutent quand même. Pagaille, non. Ah mais j'aurais dû faire le pagaille, je suis bête. J'ai un beat, on ne sait jamais. Il bot full bouteille, chais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? En coq, je joue 6 samouraïs pour le fun et ça marche pas mal. Ouais, pourquoi pas. Bito. Dino. J'avais les gemmes peut devenir méta. Tier 2 tout au plus, j'ai envie de dire. Et encore, je dirais plutôt un tier 3. Spellbook, c'est encore jouable. C'est... Bien sûr que c'est jouable. Mais il y a une différence entre jouable et être top tier, en fait. Être méta. Pour moi, Spellbook n'est plus méta. Tu ne n'en vois plus. De toute façon, je peux récupérer. Je vais prendre Wiz. Je vais prendre Wiz sur ce coup-là. On va retirer du jeu ces deux cartes. Alors, du coup, avant que je me relance encore dans d'autres explications. Oui, en fait, les gars, si vous me suivez bien, j'ai envie de dire. Genre, tous les lundis, maintenant, je vous publie un planning de live. Sur Discord et sur YouTube. Sur YouTube via l'onglet communauté. Et en fait... Si vous regardez ce planning, vous voyez que le mardi, de 20h30 à 22h30, il y a le live sur le mode bonus de Danganronpa V3, exclusivement Twitch. Que le jeudi, de 20h30 à 22h30, il y a un live Duel Links, exclusivement sur Twitch. Et que le dimanche, donc en soi aujourd'hui, de 20h30 à 22h30, exclusivement sur YouTube, eh bien, il y a un live sur Duel Links. Et j'ai pas une... Non, ça va, activer l'effet. T'aurais pu faire un OTK avec le contrôleur. Oh, Zef! Je ne suis pas là pour gagner. Je ne suis pas là pour gagner. Donc voilà, c'est... Je vous tiens au courant pour les plannings de live tous les lundis maintenant. Mais normalement ça devrait pas trop bouger au niveau de la planification. Le mardi, Danganronpa V3 sur Twitch. Le jeudi, Duel Links sur Twitch. Et on active la compétence. Dis le mec jouant Fourrier. Et du coup... Le dimanche, sur YouTube, Duel Links. Voilà. Et tous les soirs, du coup, de 20h... Enfin, du coup, les trois soirs-là, c'est de 20h30 à 22h30. Pendant 2 heures. Rediffusion sur ma chaîne, AlexYuki VOD Live, que vous pouvez peut-être pas forcément retrouver en description, puisque je suis un débile et que je ne l'ai toujours pas mis. Mais sinon, dans mes chaînes recommandées sur ma chaîne YouTube. Donc oui, j'ai mis cet étal à un moment. Et donc le gars en face était en train de rager sévère. Ruine étendue. Allez. Get out of here. Tu penses quoi du deck feu, grégoise, volcanique? C'est pas un très bon deck. Tu mettras les liens des redifs pour Twitch et inversement? Comment ça? Comment ça, Valt? Les redifs, si vous voulez voir les redifs, elles seront sur ma chaîne AlexYuki VOD Live. Que ce soit les redifs de YouTube ou de Twitch. Bon, YouTube, ça m'a l'air compliqué pour l'instant de faire, puisque c'est d'une chaîne à une autre. Mais je vais faire en sorte que les rediffusions YouTube soient aussi sur Twitch. Ça prendra
plus gros délai par contre, pour peut-être 2-3 jours au lieu de la mettre le lendemain pour les rediffusions Twitch. Yu-Gi-Oh! Reigns, je me suis arrêté à l'arc 1, j'ai pas encore terminé. A ton avis, quels decks sont sous-cotés? Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Vers quelle heure à peu près tu donnes le numéro de la session de duel contre les abonnés? Je ne sais pas. Généralement, après une heure de live, voilà, on fait une petite heure sur du ranked. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? On va poser les deux là. Road to Cog. Hein. Je n'en suis pas encore. Je n'y suis pas encore. Donc, ouais, on fait d'abord une heure de live. Enfin, une heure de ranked à peu près. Bon, si des fois j'ai moins envie, on passe sur la session, etc. On va faire comme pour la session Twitch de jeudi. On va réutiliser Magidolls un petit peu mis à jour. Bon, il n'y a rien de bien changé. Laval. Le deck Laval, un petit peu changé aussi. Et Seigneur Lumière qui a pas mal bougé aussi. Recon. Tu d'abord Recon. Non. Oh, tu me laisses jouer. Voilà, donc Nightbot l'a mis dans le chat, la chaîne des rediffs des lives. Donc, sur la chaîne de rediff que vous voyez. Attendez, on va d'abord invoquer Danpa. En mode attaque. Sur la chaîne que Nightbot vous a mis, vous pourrez retrouver toutes les rediffusions des lives de YouTube et de Twitch. Bon, la dernière rediffusion de live Twitch, il y a un décalage. Donc, je vous conseille d'aller plutôt voir sur Twitch directement. Mais maintenant, à partir de maintenant, il y aura plus de bugs. On va détruire ça. Mon plus grand rêve, c'est d'aller en plate avec un deck Itsu. Charge intrépide tête baissée. Mais t'inquiète que je vais pas aller le chercher, ton monstre, hein. Il est divant. Je vais pas pouvoir aller te le chercher, ton monstre, là. En tout cas, au combat. Hellkaiser serait insane. Ça va être le Zayn Hellkaiser, puisque c'est celui qu'on voit le plus souvent. C'est le seul deck, c'est le seul, la seule apparence de Zayn qu'on a vu depuis le début. On va détruire la Salamander. Ça s'est détruit. Et on va taper. Là, bien sûr, je suis sûr que la carte qu'on lui a laissée, ça va être un mur de l'interruption. Tellement beau. Non, pas le mur. Wall of D. Et d'ailleurs, comme le dit Nightbot, encore une fois, mais Nightbot, il est quand même chaud, sauf pour le lien de Twitch. Genre, il faut pas l'écouter. Mais là, il faut l'écouter. Soutenez la chaîne gratuitement grâce à Utip. Utip, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un site où vous pouvez regarder des pubs. À quoi ça sert de regarder des pubs? Eh ben, ça va me rémunérer. Chaque fois que vous regardez une pub, ça va me donner 5 centimes. Ça va me faire gagner 5 centimes. Et du coup, bah, cet argent, je l'utilise pour la chaîne, donc soit pour des ouvertures de boosters, que je vous fais en vidéo. Aïe! Guaiba! Guaiba préhistorique, qu'est-ce que tu... Ok. No way. No freaking way! Votre adversaire a bientôt terminé son tour. Ou justement, pour ce mois-ci, mon objectif de... Mon objectif Utip, c'est... comment va-t-on faire? Je suis vraiment pas bien. Bon, l'objectif Utip, c'est pour financer justement un stabilisateur de caméra. À quoi ça servirait pour les vidéos? Bah, c'est surtout pour les vidéos ouverture IRL ou pour les vidéos comme je vous ai fait pour les achats de la Japan et même... Pour si jamais je veux faire des vlogs, des trucs comme ça, bon, c'est pas ce que je vais faire le plus souvent, mais c'est des trucs qui peuvent arriver. Et... C'est pas bon ce que j'ai. Ouh, les flèches. Oh, il me bat. Terrible. Et du coup, c'est vraiment pour l'amélioration de la qualité de ce genre de vidéo, quoi. Je suis arrivé un peu tard sur le live. Que penses-tu des ajouts Battle Letter? C'est pas génialissime. À l'époque, ça aurait pu être bon. Aujourd'hui, c'est... L'archétype, en général, est trop lent pour que ce soit bon.
Vous, conseillez quelle boîte deck structure pour un nouveau qui connaît très bien le jeu IRL? J'allais dire la dernière. La box des Mers Fourrures est un bon départ puisque c'est un deck top méta, clairement. Très très fort, très facile à faire. Donc c'est Clash of Wings. C'est le mieux. Tu as déjà fait la loterie? Non. On va le faire avant la session des sponsors. On va le faire avant la session des sponsors. Je pense que. Allez, je fais deux ou trois duels jusqu'à. Encore un quart d'heure de duel ranked et après on passera au duel contre les sponsors sub Twitch aussi. N'oubliez pas que si vous subez sur Twitch, vous avez les mêmes avantages que les sponsors YouTube. Donc, même si vous êtes sub Twitch, vous pouvez accéder à la session qui vous sera donnée en privé sur le Discord. D'ailleurs, le nouveau. Comment ça? Pourquoi ça m'a mis deux fois le truc? Pas grave. Si je fais paramètres, intégration, on remet à jour. Ah, si! Ah non, attends. Je ne sais pas. Mon tour! Recon. Nice. On l'attrape perfide, ça peut être bien. Mers Fourrure totalement free to play et tier 0,5. C'est mieux que tier 1. Non, mais les gars! Mers Fourrure, enfin, c'est fort, bien sûr, indéniablement. Mais pour moi, c'est comme Sylvan en fait. Vous en voyez beaucoup puisque c'est un deck free to play. Genre, si le deck héros masqué était moins cher, vous le verriez autant que Mers Fourrure. Oh, chais. On va laisser ça. On va poser ça. Le deck Dark World serait assez fort dans Duel Links, non? Dark World est déjà dans Duel Links et il fait rien. Il ne fait rien du tout. Donc ouais, je regardais la synchronisation Twitch. Paramètres, les membres. Pour voir si justement notre nouveau subs. Bûchette, vive les poneys, continue deck pay to fun! Merci beaucoup, Bûchette! Du don de 20 euros! Waouh! Cet homme! Mais cet homme, arrêtez-le! Vous aurez noté cette incroyable notification de don, quoi. Merci beaucoup, Bûchette. Ça fait vraiment plaisir. 20 euros! Waouh! Bûchette avait peur que je. Oh, mince, je ne vois plus celui qui avait. Qui est allé le dépasser au niveau des top donateurs? C'était. Ah oui, Winterfrost. Winterfrost qui. Voilà, qui l'avait égalé au niveau des dons. Enfin, du coup. C'est quel animé la notif de dons? My Hero Academia? Togachan? C'est Togachan de My Hero Academia. Trap perfide. Tu n'as pas de Masco Change. Tu fous de ma gueule aussi. Canadia. Ok. Mais le misplay. De quel. Nope, sorry. Tu peux en refaire un Bûchette. Bon, bah, laissons ça, hein. Et décideur qui récupère. Absolument pas, hein. Ah, Tonnerre du Mont Ténébreux reste une bonne carte dans certains decks. Non, 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 absolument pas. Enfin, absolument pas. C'est pas génial. Donne pas. Je vais pas en refaire un pour la notif. Ils avaient qu'à faire des dons de 1 centime. Ils peuvent pas faire des dons de 1 centime. Mais wow! Wouh! Mec, s'il te plaît, à un moment. S'il te plaît, à un moment, quoi. Je préfère Ruby
à My Hero Academia. Oh là, oh là 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 là. En vrai, je me suis dit, tiens, je vais tester Ruby. Mais, non. Non. Genre, je n'y arrive pas. Genre, la... Mais waouh! Please! Une notif pour un uTip MDR? Y a pas. Ça va être compliqué de faire ça. Mais mec, à un moment, il a il a tous les contres à Mers Fourrure en une seule main, quoi. Utip, vite mes points. Exactement, vous pouvez me soutenir via Utip gratuitement. Mais bon, ça, j'en ai déjà parlé. Non, il n'y a pas moyen de faire ça. Contrôleur d'ennemi. Brain lag un peu. Je veux top les... Je veux les top Utip... Les top Utipers. J'aurais mieux compris si t'avais dit UTIP, genre Utipper. Canadia Graal, c'est quoi le prochain? Bah, après, il va me sortir Trap Van. Là, c'est une Trap Van face cachée. Hein. mais... Oh, le top deck. Non, par contre, mec, tu me sors pas une Trap Van. Hein. Mais arrêtez-le un moment! Bon, je pense qu'on va passer à la session. On va passer à la session, je pense que c'est un signe. C'est un signe qu'il faut passer à la session, là. Terminer le tour. Ouais, donc, j'ai... Pour Utip, en fait, j'ai... Je l'aurais déjà dit, ce serait bien d'avoir un top des Utipers. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui soutiennent des youtubeurs ou peut-être juste moi sur Utip. Et je pense que ça peut faire plaisir à certains d'être d'avoir une certaine reconnaissance après pour avoir pour nous m'avoir rapporté de l'argent en fait. Mais je sais pas s'ils sont partants pour un top des youtubeurs. Parce que ce serait bien pour moi, je pense que ce serait bien pour vous. De l'argent, exact. Colère divine et providence ultime aussi aurait été assez insane. De l'argent, plus d'argent. Bon, c'est un signe. On va passer sur autre chose. Tiens, Duel Island. Arômage sous-côté, hein, non. Waouh. Oh, bah tiens, la loterie. Bah tiens, oui, il faut que je pense à la loterie. Bah, attendez, vous savez quoi? Mais calme-toi, dégage mon écran, toi. On va sortir... Seigneur Lumière. C'était pas avec elle que j'avais sorti... Bon, c'est pas grave, on va sortir les Lolia en première. Donc, les sponsors, les sub Twitch. Je vais ouvrir la session. Je vais cacher mon jeu. Vous inquiétez pas, tout ceci est normal. Vous ne voyez plus le jeu, tout est normal. On va créer une session. On va faire une session à 50. Exactement, 50, c'est nouveau. Confirmé. On va prendre l'idée de la session, le copier. On va retourner là, on va remontrer le jeu. Donc, les... Ah voilà, Kimigon, en plus, c'est bon, tu as le truc. Donc en fait, Kimigon, nouveau sub Twitch, tu normalement sur le... Le Discord, tu devrais voir une notification... Twitch, quoi? Hein, je peux pas notifier les Twitch subscribers. Mais normalement, tu vois sponsor sub à gauche dans les salons. Et il y a l'idée de la session. Les abonnés, vous inquiétez pas, la session abonnés sera après. On fait d'abord passer les subs et les sponsors. Et donc, tant que vous arrivez, moi, je vais ouvrir quelques boosters. L'event, du coup. L'event. Loterie full Kuribo. Cette fois-ci, je risque pas d'avoir full Kuribo, je pense. Je crois. Moi, j'ai rien prévu pour mon petit sachet de thé. Mettre ça sur ça, qui traînait. Hop. Voilà. Du coup, d'abord 10 fois. Bon, j'ai que 7000 coins, c'est pas ouf. Tu n'aimes pas Ruby? Bon, très bien, je vais respecter ton choix. C'est pas que je n'aime pas, enfin, je connais pas du tout l'histoire, mais c'est juste que la CGI, genre, je m'y fais pas du tout. Je trouve ça moche.
Et du coup, c'est un petit peu terrible. Oh, attention des SR, les gars. Dis, Alex, tu trouves pas que Neftis contre bien Mers Fourrure? Comment ça? Comment ça, Neftis contre bien Mers Fourrure? Neftis détruit juste les cartes magie piège sur le terrain et Mers Fourrure ne joue absolument pas ses trucs. Nice. Pégase Tonnerre, bon, je l'avais déjà. Le fameux thé au miel pour la luck. Le thé au miel pour la luck. Hop. On a mis masse miel. Waouh, cette carte tellement bien. Ouais, mais c'est dommage, j'ai des combos fun à faire avec le mystérieux Dame Ninja. Blablabla. Bah, j'ai pas de luck sur les SR. Rien d'intéressant, vraiment. Bon, après, ce qu'ils ont rajouté à la place des gemmes, c'est les joyaux. Ce qui, j'ai envie de dire, est pas dégueu, puisque les joyaux, c'est... Il me semble pas qu'il y en avait avant. On a reçu quoi? Waouh, deux croisés. Les deux croisés, ça fait plaisir. Absolument pas. Ça ne fait absolument pas plaisir. Une gemme! Ouais, Retirius, nice. Récompense de la loterie d'ailleurs. Il devrait mettre à baisser sur Duelings. Ah oui, totalement, bien sûr. Darius, j'en ai pas. Tout le reste, c'est bon. Il me reste juste, c'est quoi? C'est Tigerus. En fait, c'est que les nouveaux bêtes, les nouvelles bêtes gladiateurs que je n'ai pas. Ouais, c'est les joyaux, c'est nouveau. C'est bien ce qui me semblait. Les gars, j'ai eu deux gemmes. Full luck. Ah bah tiens, un Equest, c'est pas mal ça. Même pas brillant, Saussade. Et Pégase Tonnerre non plus. Oh. Ils sont dit, oh, on va mettre moins de gemmes, on va mettre des joyaux, ils vont être contents. Godek bête fantôme. Pourquoi pas en vrai. Les nouveaux Glad Beast sont bien. Non. Enfin, c'est pas qu'ils sont mauvais, les monstres en eux-mêmes. C'est l'archétype qui est mauvais dans la méta actuelle. Beaucoup trop lent. Tu penses quoi de la bête UR? Ben, encore une fois, ouais, c'est... À l'époque, ça pouvait être bien. Aujourd'hui, non. On a eu des joyaux, c'est très bien. Par contre, les Retirius, ça, on en a. Bientôt le 0-2-0-8 pour le régional. Comment ça? De quoi me tu parles? Waouh, je m'en fous de cette carte. Mais il n'y a pas de Kuribo, calmez-vous. Il n'y a pas de Kuribo dans cette loterie. Allez, encore un petit... Mais un croisé! Mais qu'est-ce que je m'en fous du croisé? Les cartes numéro de Zexal, tant qu'on y est. One enemy. Bon, là, rien de bien. Ouf, ouais... Nul. Rien. Trop d'amour pour les Kuribo. Bientôt des nouveaux. Je ne sais pas à combien de... Attendez. Je crois que vous êtes 13 sponsors. Du coup. Et il y en aura un nouveau 15 sponsors. Je sais plus si vous êtes 13 ou 14. Mais ah, oh, mais je l'ai déjà, cette carte! Les gars, à quoi ça sert d'avoir 5 exemplaires du même monstre alors qu'on peut en utiliser que 3 exemplaires dans un deck? Bah après, les exemplaires des monstres en plus, donc le 4ème et le 5ème, tu les convertis quand tu vas dans le studio de cartes, catalogue de cartes. Et ça te permet d'avoir des gold, d'avoir des joyaux pour le changeur de cartes. Ah, un Darius. Bon, en vrai, c'est juste pour la collection. Ouais, on est 13 sponsors. Ok. En vrai, genre, je m'en fous. C'est juste pour la collection d'avoir les 3 exemplaires de chaque bête gladiateur. Voilà, voilà, le 3ème exemplaire. Il nous manque un Equess et un Darius. Je crois que c'est ça qui me manque. Puisque j'en ai un que j'ai pas encore eu, celui de l'event. Et Equess. Bon, il manque un Equess et un Darius.
Mais en vrai, si je fais une version Bad Gladiator, je n'utiliserai même pas plus de deux exemplaires de chacun d'eux, et encore. Il y en a certains, je mettrai comme une seule fois. Vas-tu faire une nouvelle version du deck Bad Gladiator? Peut-être. Pas encore trop sûr. Oh, allez, deux. Le Darius. Mais je l'ai déjà, lui. Et lui aussi, je l'ai déjà. Chia. Bah, 13 YouTube et 2 Twitch, ça fait 15. Vous êtes 3 sur Twitch maintenant. Bon, après, Dark, c'est vrai que tu fais les deux. Nice. C'est vrai que tu fais les deux. Negala, bonsoir! Un autre sponsor. Tu t'es rename? Nagana. Oh, mais je l'ai déjà, ça! Deux duels pour Dark, alors. Ouais, j'avoue, deux duels pour Dark. Puisqu'il est sponsor et sub Twitch. Allez! Mais! Très bien. Et c'est de la merde. Bon! Du coup, session sponsor, sub Twitch. Voilà, Sinus Paradox, ok. Très bien, très bien. C'est bien ce qui me semblait. Là, je reconnais le nom. Deux duels alors que j'ai arrêté le jeu. Ah, bien joué, Dark. Récupérons ça et récupérons ça. Et du coup, je vais jouer Machidol C pour victimiser mes sponsors. Voilà. La chaîne de rediff dans le chat pour ceux qui veulent revoir les rediffs. Allez, d'abord Buchette. Vous n'êtes que deux? Très bien. Donc après ces deux duels-là, sauf si un autre sponsor ou sub Twitch arrive, normalement, bah, après c'est la session contre les abonnés. Pour les sessions sponsors, on a le droit à quoi? Du fun. Genre, utilisez du fun. Utilisez pas du méta, n'utilisez pas Mers Fourrure, des trucs. C'est comme pour les abonnés. Pour les sessions, on ne fait que des. Voilà, on est sur le fun. Genre, on veut s'amuser ici. En tout cas, c'est ce que me disait mon deck au début. Deck héros de la destinée sans changement de masque, ça marche? Ouais, allez, je vous autorise à héros de la destinée. Sans changement de masque, bien sûr. Alors attendez, je sais plus ce qu'il fait lui. Ouais, vraiment pas dégueu. Et lui, c'est celui qui invoque spé, c'est ça? Du coup, je peux invoquer spé après lui. Ok, on va faire ça. Jouer Sylvan. Vous avez le droit de jouer Sylvan. Non, je ne joue pas deck Machidol C. Je te jure. Allez, mets sa glace. On va. T'as l'air de me jouer quoi? Qu'est-ce qui pourrait être chiant? Renvoyer là à la main. Qu'est-ce qui a l'air d'être le plus chiant dans tes effets? On va prendre le thé. On va prendre le thé. Allez hop, on va poser ça. On va poser ça. On va activer le ticket Magidolls. Et le château Magidolls. Et on termine notre tour. Oui, ça a l'air d'être un deck attaque furtive de mer ou un deck haut, je ne sais pas, mais bof. Rouage ancien, c'est fun, mais sans plus, rien exact. Il renvoie où lui, ce con là? Renvoyez-le à la main. Okay. T'es le meilleur YouTubeur Yu-Gi-Oh! Merci. 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 Merci à toi en tout cas, Alex. Nani! Canidia! Let's go! Bon, du coup, je suis obligé de le mettre sur le soldat. Ouch. Mets sa glace, château Magidolls, active ton effet. Ticket Magidolls, ajoute à ma main Pudding Cess.
Le deck Magi Dolce a très fort dans les... Il me semble qu'à l'époque ça pouvait être pas dégueu en vrai. Attaque furtive de mer! You fool! T'es Magi Dolce! Reprends cette carte! Chier! Du coup. Ah, mais il invoque plus P, c'est vrai. C'est plus utile. Attendez. C'est lorsque cette carte est détruite par une carte de votre adversaire et envoyée. Oh, mais ça pue la merde. Non, en vrai, je vais faire. Non, oui, je vais faire ça. Bon, elle aura pas une attaque ouf. Mais on peut faire des trucs. Allez. Genre, dégage, toi. Bon, elle a 1500. Pas ouf. Je vous l'accorde. Il y a combien de défense, au fait, cet autre enfoiré, là? Oh, il va avoir 1500. Je vais pas le détruire. Activer l'effet de Pugging Cess. Détruis-moi le pêcheur légendaire. Je suis con. Bien sûr qu'il n'est pas affecté par les effets de monstre. Je suis con. You fool. Quoi? Oh, il ne faut pas qu'on ait de monstres au cimetière. Allez, activate Pudding Cess. Bon, avec Pudding Cess, détruis-moi ça, puisque c'est un petit peu chiant, ouais. Pudding Cess, on active l'effet du château, on l'ajoute à la main. Et toi, tu nous rajoutes un Miaoufeuille. Bête fantôme, c'est pas ouf, hein, on est d'accord. 800... Mais en fait, il me fait chier le Miaoufeuille qui est au cimetière. Je pourrais tellement mieux m'en sortir si j'avais ce qu'il fallait. Je pense que j'ai perdu. Ouais, game over, je pense. Miaoufeuille invoque Pudding Cess en mode attaque. Genre, je pouvais faire des trucs bien, mais... Non, j'ai fucked up avec ça, là. Défaite d'Alex, oui. Oui, je pensais bien. Pudding Cess, reviens dans ma main. Château Magi Dolce. Non, je peux pas passer le pêcheur. On va rajouter ça à la main. Oh, j'aurais dû rajouter un Miaoufeuille, mais peu importe, on meurt, là. On meurt. Le deck Magi Dolce est invincible, exact. Ça se voit. Exact. Bon, en vrai, le château, c'est ce qu'il nous fallait. Bon, il nous laisse un tour, il nous laisse gagner ou je ne sais pas quoi, il fait comme il veut. Canadia. En vrai, est-ce que Canadia serait bon? Non. Non. On va mettre d'abord le château. Ouais, maintenant qu'il a laissé ça, genre, c'est pas possible de passer. Donc ça, c'est retourné là. Ticket Magi Dolce. Du coup, active son effet. Je rajoute Miaoufeuille à ma main. Rest in pass. Requiescat in pass. Non, mais... On active Miaoufeuille. On invoque Miaoufeuille, on active son effet. Mais sauf que la Pudding Cess, elle passe qu'à... Elle passe à combien? 2300, c'est clairement pas assez. Mélanger une carte au hasard depuis la main de votre adversaire dans le deck. Non, ça ne passera pas, ça. Et boum! Oh, 2300. Et je le mets en position de défense. Et j'attaque! J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, puisque là, il va faire son enflure. Oh, bah mon monstre est détruit instant. Non, j'active pas l'effet. Alors? Ah, mais il retourne là. Bon, allez, par contre, arrête de jouer avec moi. Tue-moi! Il peut même pas me tuer. Oh, il peut même pas me tuer. Tue-moi!
Activer l'effet de pudding 16, oui, bon. Terminer le tour. Finish him. Finish me. Please. Ouais. Bon, du coup, je l'ai mis en mode défense. Du coup, il ne termine même pas. Non, allez. Please. Tiki Magi Dolls. Oh, bah, miaou feuille. Je change de deck. Mais regardez-le. Comment avoir 2000 gemmes et le tapis de terrain Dogma? Ben, tu joues au jeu pour les 2000 gemmes. Et pour avoir le tapis Dogma, il faut payer l'offre spéciale des decks de structure. RIP Bûchette. Qui n'aura pas pu me terminer. Le gars qui prend plaisir à te voir débattre et souffrir tel un Marek ou Yami Bakura. Et petit salaud. Allez. Du coup, ben je crois pas qu'il y ait d'autres sponsors, donc je vous laisse rentrer dans la session. Je vous mets l'idée de la session dans le chat. Et Guilou vient de follow, bienvenue à toi. Et hop, Magi Dolls tier 0. Exact. C'est ce que vous avez pu voir durant ce duel. C'est un équilibre. En vrai. En fait, c'est au bout de combien de temps le ticket UR pour les sponsors? Ouh. Ça doit être... Faudrait que je vérifie. Puisque là, t'as... Pour les 6 mois... Pour les 6 mois, ça doit être ce que tu as actuellement, Dark. Genre le ticket brillant. Après, t'as le ticket SR Prisma. Au bout d'un an. Et je crois que ça doit être 2 ans, l'autre. Mets sa glace. Activer l'effet. Je vais rajouter le château Magi Dolls. Ça doit être 1 an. Je vais revérifier. On va poser ça. On va mettre le ticket. Donc, avant que vous ayez 2 ans d'ancienneté, les gars. Hop. Et je termine mon tour. Terminé. Voilà, tant que je vérifie. Alors, YouTube. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-tam. Priorité aux demandes des sponsors, bien sûr. Communauté. Nous allons dans les soutiens. Puisque c'est les soutiens et pas... Et pas autre chose. Donc ouais, vous êtes 13. Et batch de fidélité. Donc il y a un truc... Quoi? Allô? Bon bah perte de connexion, hein. Ça c'est génial. Hein. Negana, reviens! Je ne t'ai pas terminé, hein. Reviens ici! Donc ouais. Ah non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ce que vous avez actuellement, pendant pour les 6 mois, les sponsors... Mais Negana! Ah bah RIP. RIP Laco. Please on refait. Bah oui Negana, genre je t'attends. Donc je disais. Donc c'est le ticket normal pour les nouveaux soutiens. Au bout d'un mois vous avez le ticket R. Au bout de 2 mois vous avez le ticket SR. Au bout de 6 mois vous avez le ticket SR Prisma. Au bout d'un an vous avez le ticket UR. Et au bout de 2 ans, vous avez le ticket UR Prisma. Voilà. C'est en gros, c'est tout ça. Hop. RIP Laco. Hein. Alors qu'en vrai, j'avais une bonne main pour une fois. Je suis un petit peu dégoûté, quoi. Mais regardez la main de mort, du coup. Il a fait exprès. Le Srimac. Ah ouais, je me disais, mon ticket est bien Prisma. Ben ouais, en fait... Bon, je vois pas trop bien, en fait, si c'est Prisma ou machin. Et voilà. Du coup, au bout d'un an, je ne sais plus c'était quel mois, du coup, pour ton mois d'anniversaire, Dark. Wow. Mmh.
Château Magie Dolls. Et on pose. Et on termine. Voilà. Il avait tout prévu depuis le début. Alors que lui, il a l'air d'avoir le même start. Par contre, pour les sub-Twitch, le mois prochain, ça fait déjà un an. Ça fait déjà un an que j'ai mis les sponsors. Incroyable. Incroyable. Salut Maxime. Oui, ça va. Ah, Romage en face. Intéressant. Ah non. Ouais. Genre, ça me choquait un petit peu. Ça me faisait bizarre. En novembre. Ah, en novembre, là, je te crois. Dans 2 mois. Magie Doll, ça me fait penser au dessert Dolce Vita. Comme tu veux. Oui, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, hein. Y a aucun souci, moi j'y réponds. Novembre ou décembre, something like that. Ah bah, je vais vérifier. YouTube. Je vais vérifier ton ancienneté. Quoique, est-ce que je peux... Normalement, ça va cumuler... Non, pas ça. Communauté. Je vais prendre tarif, là. Soutien. Dark... Ah non, je peux pas voir ton ancienneté, ça met il y a 2 mois, puisque genre ça a coupé un petit peu tout le monde. Oui, activer l'effet du château. Décision douloureuse, pourquoi ça ne fonctionne pas sur Magicien Sombre? Lis l'effet de la carte. Niveau 4 et moins. Ou alors strictement niveau 4, le monstre normal. C'est des duels non méta, en effet. Là, la session abonnée est ouverte. Vous pouvez rejoindre avec cette idée de session. Mais ne jouez pas méta, s'il vous plaît. Tu penses reprendre des anciens decks nostalgiques et d'en faire une présentation? Je fais d'abord... Ah bah, là, on a quelque chose de mieux, quoi. Je fais d'abord les nouveaux decks, puisque c'est ce que les gens veulent plus. Mais pourquoi pas, des fois, quand j'ai un trou dans les nouveaux decks... De faire ça, en effet. Non. Oui. Pudding Cest. Pudding Incest. Quoi? Selon toi, quel est le meilleur deck de tout Yu-Gi-Oh? Duel Links ou... Yu-Gi-Oh? J'ai 8 mois d'ancienneté, donc décembre, je crois. C'est pas du tout. On va taper d'abord avec le Miaoufeuille. Bon. Après Dark, tu verras bien au moment où tu l'auras, quoi. L'Event des Sparrows reviendra sur Duel Links? Je n'en sais rien. Ne me demandez pas ce genre de choses, je ne peux pas le savoir. Et Romarine, du coup, qui active son effet. Du coup, deuxième Romarine qui active son effet. Après, bien sûr que je pense que l'event des Sparrows reviendra, mais je n'en sais rien. Nuit Magie Dolls! Chez! Chez! No. Et du coup, on va terminer le tour. Zayn Soon, exact. À la fin du mois, normalement. Je suis en train de me monter le deck Magicien Sombre et j'avais l'idée de jouer en combo la magie. J'ai dit avec droit d'aînesse. Que j'ai dit avec droit d'aînesse. Ah, mais du coup, ça ne marchera pas. Jardin d'aroma. Oh. Ouf. Ouf. Bon, après, clairement, là, je veux dire, si la Pooling 16 revient dans ma main, ça me va. Je suis bien. Genre, même s'il la gère, là, je suis plus trop pas dégueu. Actuellement, t'as aucun moyen d'envoyer le MS au cimetière depuis ton deck, en effet. Un petit peu compliqué. Nani. Il y en a une qui cible... Ok.
Ah oui, je comprends pourquoi. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. C'est pour pouvoir attaquer les deux. Donc Romarine qui attaque d'abord Romarine. Ma pouling cesse. Oh, so sad. So sad. Oh, et du coup, son effet ne s'active pas. Quoi? Non! Romarine qui est le parfait contre au deck. Non! Non! Oh. Si je vais dans l'éditeur de deck, dans la session, est-ce que je perds ma place? Non. Non! Romarine tellement cheat! Le parfait counter au deck! On va terminer. Que penses-tu du hashtag I want my gems? Ah, intéressant ça. En plus, je voulais en parler. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le hashtag I want my gems, en fait, c'est un mouvement qui a été lancé par un youtubeur brésilien. Je ne sais plus comment il s'appelle, Ronan quelque chose, bref. Un youtubeur brésilien du Links. Et en fait, bon, ils ont vu que. On a tous vu que dans la dernière loterie, genre, on gagnait qu'une gemme. Alors qu'avant, c'était genre, on pouvait en gagner une, 5 ou 10 dans la loterie. Et du coup, ils sont là. Ah, le Konami vont changer le jeu. Ils veulent que ce soit de plus en plus pay to win, blablabla, blablabla. Bla, bla. Alors que le jeu n'est pas pay to win, on est bien d'accord. Pay to enjoy, éventuellement. C'est le meilleur terme pour Duel Links, puisque clairement pour être pay to win, enfin, si le jeu est pay to win, ça veut dire que les decks méta sont obligatoirement payants. Ou en tout cas, faut mettre beaucoup d'argent dans, faut mettre de l'argent dans le jeu à un moment. Ce qui n'est pas le cas. Genre, Merse Fourrure est un des meilleurs exemples. Sylvan, quand ça existait. On va mettre le château. Et du coup, on va mettre ça. Du coup, bon, bref, le deck n'est absolument pas pay to win. Le jeu n'est absolument pas pay to win. Et du coup, bah, le gars, en fait, spammait un petit peu les youtubeurs Duel Links américains, anglophones en tout cas, en mettant des commentaires sous leur vidéo en disant ouais, rejoignez le mouvement hashtag I want my gems et tout ça. J'ai regardé la vidéo de Decade et je suis totalement d'accord avec Decade en fait. Le pay to win attire moins de monde, mais clairement. Clairement, et le jeu n'est absolument pas pay to win. Hein. On va taper ça. Vous avez déclaré le combat. On s'en fout. Bon, voilà, j'avais complètement oublié ça, alors que je l'avais forcément, bon de toute façon il avait gagné depuis le début, mais genre il fallait que j'attaque l'autre pour détruire, je suis con, bref, donc du coup, revenons-en à nos moutons, et genre je suis totalement d'accord avec Decade en disant que ce mouvement, genre, c'est débile. Et en fait, déjà parce que Decade n'adhère pas au mouvement, bah le youtubeur américain a fait une vidéo exprès pour le youtubeur brésilien, ouais, qui a créé le mouvement en fait, a fait une vidéo exprès pour critiquer Decade. Decade, c'est Duel Links Meta, l'un des plus gros youtubeurs Duel Links, en tout cas l'un des plus influents en tout cas. Celui qui a le plus apporté à la communauté, je pense. Et en disant que oui, c'est pas un gars bien, c'est un gars, il est payé par Konami, tout ça, blablabla, en racontant full bullshit. Et on a une main pas dégueu. Et en gros, ce que ça a amené la communauté justement de ce youtubeur brésilien à aller trash talk totalement Decade. Donc, quand on va sur ces vidéos, on trouve des « Va mourir Decade »,« Mass dislike » et tout, bon. Déjà, les gars, je vais vous apprendre quelque chose
aujourd'hui. Je pense qu'il y en a certains qui le savent, mais les dislikes, c'est une bonne chose pour les youtubeurs en vrai. Genre, si vous faites un raid de dislike sur une vidéo d'un gars, bah, vous lui rendez service. Puisque YouTube, en fait, aux F, que ce soit des pouces bleus ou des pouces rouges, des j'aime ou des j'aime pas en dessous de la vidéo, ce sont des interactions. L'algorithme YouTube ne considère pas les pouces rouges comme quelque chose de négatif. Il considère les pouces bleus, pouces rouges comme étant des interactions. Donc, tout comme les commentaires. Donc, en fait, c'est débile qui insultent et qui mettent des pouces rouges à Decade. Genre, ils lui rendent service. Genre, ces vidéos seront plus vues, seront mieux référencées. Parce que il tape trois fois plus d'interactions que dans ses autres vidéos. Puisque les gens hyper haineux mettent plein de commentaires et dislike toutes ces vidéos. Donc, bon. On va mettre le TM Magidolls. Et non, moi clairement, je trouve ce mouvement débile. Je trouve que ce n'est pas justifié. Genre, c'est pas en ayant plus de gemmes que le jeu sera mieux. Et DK, il l'explique bien. Pour ceux qui parlent anglais, je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Duel Links Meta. Genre, il explique très très bien en quoi ce qui serait mieux comme priorité plutôt que de rajouter d'autres moyens d'avoir des gemmes, ce qui serait bien aussi. C'est par exemple déjà régler tous les problèmes de cheat, puisque ça existe sur Duel Links. Il y en a qui cheat, qui arrivent à cheater. Il y a les problèmes de déconnexion dans des duels. Il y a les problèmes de mur de l'interruption. Ça, c'est un gros problème aussi. Pooling Cess, active ton effet. On détruit le Blue Eyes. Bon, tous les problèmes, tous les bugs Duel Links, genre, à mon avis, c'est clairement ce qu'il faudrait focus en premier avant de rajouter des gemmes. Et surtout, l'amélioration du shop. Genre, c'est vrai que c'est totalement débile aujourd'hui qu'il y a des packs qui sont sortis il y a plus de 600 jours, donc à la sortie du jeu, qui coûtent aussi cher que ceux qui sont sortis, genre, hier. Si on cheat pour le farm, ça reste du cheat. Et il pourra faire plus de vidéos drama, pour plus de money. Pas fait gaffe à ça. Soit on like, soit on regarde pas, mais les dislikes sont inutiles de mon point de vue. Si vous voulez vraiment faire chier un youtubeur, faut le boycotter. Il faut même pas regarder sa vidéo, faut même pas taper son nom. Taper son nom, ça fait du référencement. Voulez-vous utiliser l'effet de château? Oui, on va l'utiliser. On récupère ça et on active l'effet du château Magidolls. Ah non, on n'a pas le ticket, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est bon. Creative Timothy qui partait au Worlds. Ah, ticket. Nice. Non. Invoquer ça. Tu peux aussi signaler ces vidéos. Signaler ces vidéos, ça change rien. Sauf si c'est quelque chose où, clairement, la vidéo transgresse une règle de YouTube. Genre, Si tu signales une vidéo d'un gars juste parce que tu l'aimes pas, genre les YouTube, ils vont arriver sur la vidéo, ils vont regarder sa vidéo, ils vont dire bah non, ça change rien. Il a rien transgressé, il a rien fait. Bon, je sais pas pourquoi ces débiles nous ont signalé la vidéo. Si c'est un fils de pute qui cheat dans un jeu, qui insulte les morts de tout le monde et tout, là oui, il peut y avoir un gros problème pour lui, hein, à signaler ses vidéos. Et ouais, pour le shop par exemple, une bonne idée que Decade a partagée, c'est genre maybe baisser le prix des boosters, en tout cas le prix en euros. Activer l'effet du château Magidolls. Et on a le ticket en plus. Invoquer spécialement, on peut l'invoquer spécialement en plus le monstre. On va invoquer la Pooling Cess. Pack à une gemme, non, pas ça. Mais genre, en fait, rajouter des cosmétiques, puisqu'on sait que sur des... Par exemple, sur des jeux comme League of Legends ou Fortnite, genre, ils font énormément d'argent sur du contenu qui n'influe pas le gameplay, genre, sur des skins et tout ça. Je sais pas, genre... Des sleeves ou des playmats exclusifs qu'on a que en les achetant. Pas forcément avec des cartes, mais comme ils le font depuis très peu. Genre, mais en rajouter pas mal.
Je trouve que ce serait une bonne idée. Et en fait, s'il gagne plus d'argent sur ça, ce qui est, il pourrait se dire, ah, on va se faire quand même moins... On peut du coup se permettre, comme on gagne plus d'argent sur les skins, ou tous les cosmétiques, on pourrait baisser un petit peu le prix des boosters, voilà, pour équilibrer, et comme ça, les gens seront contents. Ce serait très très beau de voir ça. Ce serait très très beau. Je ne sais pas si un jour ça va être le cas, mais ça pourrait être cool. Autant durant les cassés, mettre des duels à nombre limité, le système ne montre pas si tu es bon, mais tu spammes le jeu pendant 3 jours, si tu sais. Ça aussi, mais ça c'est assez insane aussi, genre... ça, faudrait le changer. Le système de cassé, c'est, il faudrait le changer absolument. Montre la decklist. Non. Non. Je le présente la semaine prochaine. Mais je vous si vous comprenez l'anglais, je vous invite à aller voir la vidéo de Decade. Duelings Meta. Je pense qu'il explique mieux que moi. Il a vraiment de bonnes idées. Et de toute façon, il a plus d'influence chez Konami que... Enfin... Il a plus de contacts chez Konami pour pouvoir leur conseiller des trucs, quoi. Me semble-t-il. Tu joues combien de temps à Duel Links par jour? C'est très difficile à quantifier, en vrai. Puisqu'en fait, je suis en train de regarder une vidéo. Je mets les duels auto. Je fais juste les duels auto. Le PVP, j'en fais pas beaucoup, en vrai. Pour les vidéos et les tests de mes decks, mais je tryharde pas le PVP. Sur Duel Links, tu attends plus les pendules ou les synchros? Peu importe. J'ai envie de dire peu importe. Mais... ouais, comme Dicked le disait aussi, on va bientôt arriver à... un gros changement de Duel Links. Pour l'arrivée de 5D. Genre, je pense que c'est confirmé à 100%. De toute façon, ça va être l'arrivée des synchros, tout ça, de l'ère 5D. Et du coup, bah, vous savez, quand GX était arrivé, ils ont changé pas mal de choses. Ninja Armée, t'es sérieux? Ils ont rajouté pas mal de choses en même temps. Et ce serait bien qu'ils modifient pas mal Duel Links, justement, pour cette arrivée de 5D. A ton avis, si les monstres synchro sortent, quel archétype sera méta? Bah, je ne sais pas, je ne sais déjà pas quel archétype sera rajouté au jeu. Je ne sais pas quel archétype il y aura de méta à l'arrivée, avant l'arrivée des synchros. Parce que ça risque de bien changer, ça aussi. Ouais, active l'effet de ton jongleur. Ouais, j'attends Yu-Gi-Oh! 5D sur Duel Links, ça va être tellement bien. Yusei! Incarnez Yusei, les gars. Ça va être bien. Et Jack! Jack Atlas, déjà Stardust, le staple pour les synchros. Mais les mecs, Stardust, ça va être tellement bien. Après... ouais, mais il y a... le Stardust, c'est la destruction de cartes ou la destruction des monstres? Non, c'est la destruction des monstres, on est d'accord. Crow, pas Yusei. Crow aussi est très bien. Bon, après, le deck de Yusei, c'est un deck de mort. Hein. C'est vrai qu'il est pas ouf. Jack. Jack, ah... Non, putain, mais clairement, les persos de 5D sont tellement classe. Je suis vraiment pas bien, Brick. J'ai vu la vidéo de Decade, c'est pour ça que j'en parle. Mais je connaissais déjà ça avant. J'ai vu un commentaire qui disait de baisser le prix des boosters en fonction de la date de sortie. Ça, oui, ça, c'est ce qu'il devrait faire. Ou alors mettre les Selection Box en perma. Et qu'on ne soit pas obligé de mettre de l'argent pour avoir. Mais non. Montez les ailes noires avec Ho. Jacobito down. Stardust, destruction des monstres de mémoire. Ouais, c'est full destruction. C'est que destruction de monstres. Me semble-t-il que c'est ça. Mais... ouais, du coup, en plus, je crois que DK, il en avait parlé justement dans la vidéo en disant « Ouais, c'est pas normal que des boosters qui datent d'hier soient aussi chers que des boosters qui datent d'il y a 2 ans, quoi. » Bon, c'est pas vraiment 2 ans, mais on se comprend, quoi.
Ça fait plus un petit peu plus de 600 jours que le jeu existe. Hein. Et genre, la première box ne sert à rien, sauf pour avoir la sphère Kuribo et éventuellement des cartes pour des decks fun. Mais, c'est pas normal que ça coûte aussi cher. Le même prix. Non, c'est destruction par effet de n'importe quelle carte JPP. Sinon, il protège au combat. Oui, enfin, je veux dire destruction des monstres par effet. Mais d'accord, c'est destruction de toutes les cartes. Okay. Le Axe Raider UR, elle est pas comparable. Exact. Ça, c'est vraiment pas comparable. Tel boss, Alex, continue ce que tu fais. Merci, Léo. N'écoutez pas Nightbot. Le live n'est pas sur Twitch. Écoutez-le plutôt quand il dit, il vous demande de soutenir la chaîne. De soutenir la chaîne gratuitement via Utip, que vous pouvez retrouver en lien dans la description. En regardant des pubs, vous aidez le financement de la chaîne. Et de nouveaux matériels. Est-ce que tu crois qu'il faut ajouter un truc pour gagner des gemmes plus rapidement? Non. Et ça aussi, DK en a parlé. Genre le fait que dans Duel Links, il y a énormément de moyens pour avoir des gemmes. Genre, c'est indéniable. Mais le problème, c'est que les gemmes, ils... Contrairement... Enfin, Hearthstone, genre... Je sais plus ce que ça donne aujourd'hui. Je ne sais plus du tout ce que ça donne aujourd'hui. Au niveau des... Au niveau des de l'or. L'obtention de l'or. Mais en fait, dans Duel Links, tu obtiens toutes les gemmes d'un coup. Et après, ça devient lent. Faudrait que, genre, les gemmes s'obtiennent petit à petit dans le temps. Genre, comme ça, tu savoures plus. Et t'aurais pas cette impression de « Ah, j'obtiens plus de gemmes. » Mais, oh... Non. Je suis pas sûr que le dragon de la barrière de glace va sortir si rapidement. Brionac. Le petit Brionac, c'est tellement bien. Il est un peu fort. Ça dépend duquel on parle, le dragon. Soit c'est Trishula, soit c'est Brionac, mais bon, les deux sont assez cheat. Tu crois pas que ce serait cool, rival arrivé dans ton deck Magidol, surtout que la carte est kawaii? Qu'est-ce que c'est que ça? Durant le prochain round, voilà. Non, puisqu'il faut jouer équilibre, il faut jouer 6 cartes magie et je préfère jouer 3 châteaux, 3 tickets. Les gars, vous me laissez gagner, c'est insane. Invocation de Miaoufeuille. Activer l'effet de Miaoufeuille. Invoquer la pooling Cess. In attacco modo? Trishula, c'est pas un nécrose? Il y a une autre version de Trishula, ah oui, je pouvais pas changer. Donc on va d'abord taper ça. Activer l'effet de Pudding Cess. Yep. Yep, oh yep. Détruis ça. Bon, après, s'il a un monstre à 1500, il passe. Hein. Je suis plus dans le futur deck et confrérie de points de feu avec Alexis Insane. Là, on est un petit peu loin. Là, ce sera peut-être plutôt l'année prochaine pour Zexal. Hein. Oui, bien, il y a les deux. My bad. Magidol 7 est méta, non. Ce n'est absolument pas méta. Ouh, château. Encore un château. Tu penses quoi du deck El Noir s'il arrive sur Duel Links? C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire. Je peux pas vous donner une bonne réponse. Puisque ça dépend ce qu'ils vont rajouter. Genre, El Noir, ça peut être... C'est très bon. Ça pourrait être très bon sur Duel Links. Puisque tu peux spammer les monstres sur le board. Mais ça dépend ce qu'ils rajoutent. S'ils mettent pas le Mistral, s'ils mettent pas... comment, Bore à la Lance. Je crois que ça doit être Bore à la Lance. Des trucs comme ça, ça va être plus lent et ça va pas être ouf. El Noir Tier 0, The New Cyber Angel Poggers. Ouais, ils vont peut-être faire comme Cyber Angel, hein. Le deck va sortir et instantanément va sortir grâce à l'ajout d'une nouvelle arc.
Exuki Never Forget, We Are Venom. Très bien. Je connais pas ce pseudo là. Penses-tu que la structure des duels va changer à l'addition de la main phase 2 par exemple? Non. Puisque le format de Duel Links, c'est pas le enfin, le format qui est présent de Duel Links, c'est pas un format Duel Links, c'est un format de Speed Duel. Et les Speed Duel existent depuis 5D. Je ne parle pas des Riding Duel, je parle bien des Speed Duel, qui sont un mode qui est un mode en fait qui existait sur les bornes dans les arcades japonaises. Je suis pas sûr qu'aux États-Unis ils avaient ça, mais au Japon c'est forcément ça existait. Et justement dans les arcades en fait ils faisaient ce mode de jeu là. Et une bonne main de mort encore. Tu en penses quoi du deck Gusto? Pour moi c'est pas bon, c'est pas un bon deck. On veut une main phase 2. Donc pour moi, l'agrandissement, je ne pense pas. Main phase 2, je ne pense pas. Si à un moment, ils rajoutent des LP comme ils avaient fait avant, pourquoi pas. Mistral en x1, éventuellement, si... En level up de Crow. Après, je me souviens plus ce qu'il y avait dans... Quel personnage avait été... dataminé pour 5D. Crow était dedans. What the fuck, merci de l'info, connaissais pas. Y'a pas de souci. Donc pour moi, pas de main phase 2. Hein. Si tu veux une main phase 2, va sur Pro Percy. Oui, Crow était dedans, ok. Ou alors une addition d'autres modes de duel, ce serait cool. Je sais pas trop. Avec Yusei, Jack, Akiza, Leo, Luca. Ouais, donc tous les signers en fait. Et pactisans quoi. Ouais, tous les pactisans. Yu-Gi-Oh! Pro, c'est mort? Non, ce n'est pas mort du tout. Il est forcément dedans. Oui, non mais en fait, je veux dire... Ça pourrait être un... Crow va forcément être dans le jeu. Genre, c'est un perso tellement populaire que ça va être forcément dedans. Ce que je veux dire, c'est... Bon, Alien, c'est moyen. Normalement, c'est pas trop ouf, mais... ouais, bon. Mais du coup, ils pourraient faire genre comme ils avaient fait pour GX, rajouter 5 personnages. Attendez, il y avait Jaden, Shad, Alexia, Bastien, Aster. Il n'y avait personne d'autre, il n'y avait que ces 5 là. Il n'y avait que 5 personnages au début, donc ça fait quand même beaucoup de personnages qui ont été data minés. Donc, les gars, vous me confirmez que si je fais ça... Attendez, ça sur lui, est-ce que je récupère le contrôle? Shinigami qui me confirme, mais tu me confirmes quoi? Est-ce que je récupère le contrôle? Non, ok, d'accord. Je te fais confiance, Shinigami. Hein. Je te fais confiance, hein. Nope, ok. I don't know, test. Je te confirme que non, je te confirme, mais oh, quoique... Ah, mais vous savez pas, en fait! Mais vous ne savez pas! Bon, en vrai, le mieux, ce serait que je le place sur Ananta, hein. puisque... Bon, après... Bon, on va tester! On est là pour le fun, on va tester Canadia sur Mesa Glace. Ah, bah ça marche pas, les gars. Ça ne marche pas! Là, il va en plus activer la Lanta, il va me détruire peu importe l'une des deux, là. J'avais raison. Et voilà. Au moins, on est fixé. Bon, on a perdu. Nous avons perdu. Je suis tellement un pro Yu-Gi-Oh! 2018. Waouh, Shinny. Incroyable, Shinny.
Regardez, il retourne et il a encore. Même si je détruis ça, maintenant il va pouvoir quand même m'attaquer. Mais du coup, si le monstre il est toujours. Non, il a plus ses compteurs. Les compteurs, il les perd forcément. Mais. Mais en plus, il est même plus équipé. Bon, c'est bizarre. Go devenir arbitre, je vais demander à Jacques-Yves si je. Salut Alex, bonne session à toi. Et encore merci pour ta vidéo du deck samouraï. Je ne joue que ça et c'est vraiment fort. Je trouve après pourquoi ne joues-tu pas la carte 3 samouraïs. C'est quoi la carte 3 samouraïs? Attendez, on va changer de deck. En tant que je suis là, on va prendre l'aval. Hein. On va prendre l'aval. Nye, nye. Voilà. C'est laquelle la carte 3 samouraïs? Deck Magie Dolce fait simple à faire, c'est juste les Pudding 16 éventuellement à voir. Le bon Laval. J'ai changé un tout petit peu. Est-ce qu'ils vont rajouter la carte si tu possèdes 6 samouraïs d'attributs différents, tu peux passer le tour adverse. Et ta gueule, Chini. Avec Pyrorex. Waouh. Savage. Laval tire moins 1. Toi, ta gueule louche. Et... Allez, je vais lui enlever son statut de modérateur. Début en fanfare. Incroyable tout ça. Incroyable, regardez ma main. Mais qu'est-ce que tu me partages tes vidéos là? Je sais même pas ce que c'est. À la fin du mois, je prédis que Zen sera débloquable. C'est pas trop difficile à prédire en vrai. En vrai, c'est pas trop difficile. On va faire ça. Maintenant qu'il n'y a plus biche, je suis le modérateur en chef. On va mettre le meunier. Le meunier Laval. Bon, je peux le gueuler puisque mon adversaire ne sait pas ce que c'est en fait. qui joue Laval? Personne ne sait jouer contre Laval. Par contre, je vais enlever ça. De type acier. Yeah. Bon allez, joue. 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 Cesse de réfléchir. Et en face du Merce Fourrure, lol. Bah ce serait un Merce Fourrure qui aurait pas trop de bol en face. Hein. Ok. On va mettre ça d'abord. Quel est le type de Cisaiox? Insecte et acier. Insecte et dragon. Absolument pas. bon. Allez, 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 allez. Mets trop de temps à réfléchir là. Tu mets trop de temps à réfléchir là. Si tu possèdes 3 samouraïs, tu peux clean le board de Magic ou monstre de l'ennemi. Ouais, mais c'est une carte trop situationnelle. Mais non, Ruth, tu t'es. Métallos, Psy et Dragon. Métallos, absolument Psy et combat, quoi. Genre. A ton avis, ils vont sortir le pote Jaden qui joue dinosaure. J'ai oublié son nom en personnage débloquable. Il est dans les. Son nom est dans les. Et data miner, en vrai. C'est tout à fait possible. Et Kaiser, combat et acier. Mec, tu ne m'auras pas, moi je connais par cœur les types des Pokémon. Tyranno, Asleberry, oui c'est Asleberry. Attaque. Bonsoir Rudy. On va taper. Il manque Yubel. Yubel aussi, Yubel est dans le jeu, hein. C'est clairement indéniable. Kidomodo en 2018. Quel est le type de Aflamanoir? Si tu trouves, te prête ma meuf. L'aidez pas sur le chat. Dragon. Ça, il n'existe pas. Dragon. Lui, c'est quoi? Non, ça marche pas.
Dragon feu. Je connais même pas Flamme Noire. Voilà. Vous pouvez lui dire, il l'a sous le nez, en plus le type. Pyro. C'est un type pyro. Faut vraiment que... Il va falloir que je change les notifs de Naibot. Non. Pokémon type pyro, évidemment. Non. Donc Thibaut a gagné la meuf de Chini. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'il en a pas, donc... ok. Tu feras ce que tu veux avec... Enfin, genre, sa seule meuf, c'est sa main, non? Ouh. 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 Ouah. Cyclone Cosmic. Sylvain toujours en vie. Je me suis pris en légende Sylvain avec un amoureux de la rose et un marche... Et de Marinia, je jouais J-Carp, Pest Pokémon. Quoi? Il y a un truc bizarre dans tout ce que tu viens de dire. Il y a plus d'un truc bizarre. Sylvain toujours en vie, et ensuite tu enchaînes avec Magikarp, Pest Pokémon. Ok. Oh, il active le mic en bêtance! Tu vas être coq cette saison? Si oui, dis-moi que tu vas pas le faire avec Merce. Pas spécialement, je pense pas, je vais juste tenter d'aller en légende. Je veux Réveil du Dragon dans Duel Links, c'est drôle comme carte. Réveil du Dragon, c'est quelle carte celle-là? C'est laquelle? Hop, tape-moi dans ce truc-là. Bon, ce truc là, Kiryu et Carly. Ok. Mais mec, t'as combien de cartes? Terrible. Avec Gardien Goyo. On aura le Roi Dragon si tu veux en août. J'avoue, Roi Dragoon. Roi Dragoon en UR à la prochaine saison. Ça va tellement changer la méta. Il y a Trouch dans les 5 délinqués. Bon bah, Gardien Goyo confirmed. Tellement broken. Tu penses que le deck arc démon Cog est toujours viable en légende? Bah, si le deck arc démon Cog est Cog, c'est que... c'est que c'est bon en légende, j'imagine. J'imagine bien. Ouf. It's Kayan. Bon, en vrai, lui, il a quoi? Il a rien du tout. Il a R. Allez, toi là. Alex, hashtag give me your gems. You will never get my gems. Did you understand? C'est une piège que si elle quitte le terrain à cause d'une carte d'adversaire, tu peux spé un monstre. Ah oui, celle-là. Ça doit être... Je connais. Ouais, je la connais. Ça doit être tellement drôle. Je fais ça pour booster mon monstre. Hein. Tout était prévu depuis le début. Salut Alex Yuki, dis-moi deck potable avec les dragons noirs et qui existe toujours. Red Eyes the Zombie, à peu près potable. Non mais il y en a, il est 22h12. Le match s'est terminé il y a 4 ans. Et ils sont encore en train de klaxonner dehors, c'est terrible. Tu ne stream pas sur Twitch aujourd'hui. Yep. Puisque je le rappelle, le planning des lives, je le publie tous les lundis sur le Discord dans l'onglet annonce et sur mon onglet communauté YouTube. Et sur ce planning, vous pouvez retrouver justement... On va mettre celui-ci. Vous pouvez retrouver... vous pouvez voir quels sont les lives de la semaine. Mais en ce moment, ça va toujours être à peu près les mêmes. C'est-à-dire que le mardi, sur Twitch, Danganronpa V3, donc de 20h30 à 22h30. Le jeudi, sur Twitch, Duel Links, de 20h30 à 22h30. Et le dimanche, sur YouTube, Duel Links, de 20h30 à 22h30. Mais le sur Twitter aussi, si c'est possible. Je le mettrai sur Twitter, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais il faut que je le mette sur Twitter aussi.
Là, j'ai compris que cette semaine, voilà, j'ai peut-être pas assez bien fait ma com. My bad sur moi aussi. Pour ce, mais je vais le partager partout maintenant. Et je vais peut-être le partager aussi, peut-être deux fois par semaine. Le petit rappel. Voilà, ce... Flongy. En tout cas, Laval, beaucoup trop broken, quoi. Flongis. Mhm. Bon, c'est pas un mur d'interruption, déjà. Et hop, tapons. D'ailleurs, je peux boost avec ça. Activé. Kayen. Et donc, du coup, ouais, je vous préviendrai un petit peu partout. Je ferai en sorte que... Un nouveau deck tier 1, celui-là. Mais tellement, regardez. Genre, mais contrôleur d'ennemi, t'étais obligé. Faut qu'ils sortent Far Star dans Dueling, ce serait fun. Mais ils vont attendre Vrains pour ça. Tu penses quoi de l'échange joueur-joueur? Bon pour Dueling, c'est absolument pas. Ce serait le pire... Les échanges entre joueurs seraient le pire truc qui tuerait le jeu, en fait. Pourquoi? Parce que... en gros... tu te crées des comptes à l'infini. Genre, tu te crées un compte... Je sais plus ce que tu as au début, au niveau gemme. Mais genre... T'as ton compte principal, t'as plusieurs comptes secondaires. Sur tous ces comptes secondaires, tu fais juste des débutés, t'auras 3 à 4 000 gemmes. Tu ouvres les packs, et après t'échanges tous tes UR, SR qui pourraient être bonnes. Tu les mets sur ton compte principal, et après tu te sers plus de ce compte, et tu recrées un autre compte. T'as tes 3 à 4 000 gemmes, tu ouvres les boosters et tout ça. Ça tuerait le jeu, en fait. Encore un... qui est-ce que j'ai... J'ai jamais affronté, on est d'accord. Peut-être. Donc, non. Jamais de la vie. C'est pour ça que, même sur d'autres jeux, ils font pas ça. Salut Alex, je reprends le jeu après une pause. Tu me conseilles quel deck pour reprendre? Merci Fourrure. Très facile à faire, très fort. On aura les Duel Runner avec 5D pour Duel Links. Mais tellement. T'as 1500 gemmes au début. Ouais, enfin 1500 gemmes, après tu fais quelques duels, tu dois avoir un petit peu plus que ça. 3 fois Reine Amazonesse aussi. Genre, à quand obélisque, on n'en sait rien. Peut-être à la sortie de 5D. Wouh. Wouh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, on va mettre Flogis en mode attaque. Ça sert à rien de demander dans le chat pour que je vienne à votre table, hein, ça marche pas. Quand il y aura Astérix, yep. Donc oui, en plus le système de genre, il y a des cartes qu'on ne peut avoir qu'une seule fois dans le jeu. Imaginez si, bah, grâce à ces échanges, on pouvait avoir 3 Toon Kingdom, 3 Reines Amazonesses, 3 Tempête d'Etaqua, 3 trucs, peu importe, plein de cartes comme ça. Ce serait un petit peu trop broken. Salut Alex, pour une fois que je vois ton live, je laisse mon like. Merci à toi, Nightcore RT. On va attendre un petit coup. Genre, juste piocher. Ouais, bon, c'est pas ouf. On va mettre ça, du coup. Invocation. Obélisque, better than bête sacrée. Et puis quoi encore? 3 cyber petit ange, you. qui est semi-limité. Ça, c'est pas mal, ça. Wait. du coup, on a perdu Kayen, Contrôleur, Meunier, Flogish et le Feu Dévorant. Mais le Kayen, on va pas l'utiliser tout de suite. Non. En fait, les bêtes sacrées sont largement mieux. Pourquoi? Bah parce qu'elles sont invocables spécialement très facilement. Oh, il me joue Burn. Attendez, 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 j'ai pas fait gaffe. Non, ça va. Je pensais qu'il jouait... Il jouait... comment ça s'appelle? Bah c'est... Ah bah ça me booste ça! J'aurais jamais dû faire le nid d'insectes piquant contre ce deck, hein. Moi je trouve que ce serait une bonne chose pour l'échange ICJ. Absolument pas. Moi je vous le dis tout de suite, hein. Ça tuerait le jeu. Imagine un système ultra strict, genre limite par mois, only SR ou moins, etc. Quel serait l'intérêt du coup? Bon, je pense que j'ai full perdu, hein. Putain, c'est horrible le bruit de voiture, je comprends pas, les gens sont fous pour cette Coupe du Monde.
boost meule. Avec une sorte de détection adresse IP, sinon. Une détection d'adresse IP sur portable. Nyeh. Mais t'aurais toujours des gens qui seraient capables de passer outre, donc bon, ça marche pas. Échange entre joueurs minimum phase 15. Bah oui, en fait, tu leur feras perdre du temps, mais ils pourront toujours faire ça. Ils pourront toujours faire ça. Assaut sur le quartier général, bon, j'ai perdu. Ils n'arrivent pas à détecter les cheaters, déjà. À mon avis, t'inquiète que un gars qui reçoit en échange plein de cartes de plein de comptes différents, je pense qu'ils s'en rendront compte. Hein. Mais bref, non, ça n'existera pas. Je vous le dis. Mais du coup, il a encore invoqué, c'est terrible. Faut que je gagne ce tour-ci. I will win this turn. J'ai aucun moyen de gagner. C'est foutu. I'm fucked. Cyber monstre face recto. Qu'est-ce qui serait le mieux en vrai? J'ai combien... Je sais pas combien j'ai de Cayenne dans mon cimetière. Je dois en avoir un. Je dois en avoir un. Ça fait rien. C'est dommage, c'est la base des jeux de cartes. Mais oui. Mais c'est pas la base des jeux de cartes de déséquilibrer totalement un jeu. Du coup, j'en ai deux. C'est dommage, le Pyrorex, je l'avais pas en main. Plutôt que l'échange, je verrais bien un genre... De telle des ventes débloquées phase 50 pour pas avoir trop d'abus avec une limite d'achat jour. Putain! Cassez cool. Que penses-tu de Chevalier Noble? Après le nerf, c'est un petit peu. C'est beaucoup trop moyen. Avec les pièges, éventuellement, pourquoi pas, mais sinon. À quand du Dokkan Battle, toi qui es fan de manga? Premièrement, je ne suis pas fan de Dragon Ball. Voilà. Voilà, ça devrait répondre à ta question. Chut, plus de cartes possibles. T'as vu le drama entre Decade et le youtubeur brésilien Renan Sparrow? Ouais. Ah, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, tu n'étais peut-être pas là, mais... Moi, je suis Team Decade, hein, clairement. Déjà, quand tu vois que le youtubeur fait une vidéo, peu importe s'il a raison ou pas, le gars qui fait une vidéo pour dire « lui, c'est un connard », et du coup, inciter ses followers, puisque c'est quand même, genre, même s'il dit pas clairement d'aller dislike les vidéos de Decade, je sais pas s'il l'a fait, genre, dire en vidéo, genre, que le gars, c'est vraiment un connard, tout ça, bon, il a pas dit comme ça, mais... En résumé. Genre, déjà, tu vois le type du gars, quoi. Et du coup, d'inciter, limite, ses followers à aller... À aller insulter Decade, quoi. Genre, on peut pas être dans cette team-là. J'incite à la haine parce que je suis un humain sensé. Et oui. Berserk, attends, je vais changer de deck, là on va bientôt finir le live, encore 10 minutes. Je vais juste prendre mon Bandicane avec mon deck Seigneur Lumière. Donc déjà, ça prouve la non-intelligence. Et la non-intelligence des gars qui le suivent et qui dislike. Ça, c'est absolument pas du tout intelligent. Puisque ça rend plus service à Decade qu'autre chose. Je le répète pour ceux qui n'étaient peut-être pas là tout à l'heure, mais sur YouTube, le meilleur moyen de faire chier un YouTuber, c'est de le boycotter. C'est de le boycotter puisque, genre,
Allez mettre des commentaires sur ces vidéos pour le trash talk, pour le insulter ses morts, tout ça. Ça ne changera rien. Allez lui mettre des dislikes, ça changera rien. En fait, ça lui apporte juste des interactions sur ses vidéos qui font que YouTube, l'algorithme YouTube se dit « Ah, c'est une vidéo qui crée beaucoup d'interactions. Du coup, on va la mettre en avant dans les suggestions sur YouTube, dans les recherches, etc. » Romain Bayard, merci pour les 2 euros de YouTube Super Chat. Bon, après, un site, bébé. Merci beaucoup, du coup, pour les 2 euros. Après, ça a l'air de mettre du temps à arriver sur mon live, mais ça devrait popper. Comment faire pour débloquer Bastien? Oh, je ne sais plus quelle est la condition. Le problème, faire ça dans les commentaires, c'est pas pro, même comme Zing la troll. Mais oui, c'est absolument pas... Et comme le dit Dickade, en fait, c'est juste pour dire... ben... Oh! C'est pour... C'est pour dire... ben, si t'acceptes pas, c'est limite du chantage. Genre, si t'acceptes pas, bah ben, les gens verront que tu n'as pas voulu accepter et penseront que t'es un connard. Voilà. Tu as fait un deck avec la carte Exodia qui est sortie il y a 2 semaines. Non. Romain Van Damme vient de follow, bienvenue à toi. Bon, du coup, le super chat s'est perdu, hein. C'est perdu en chemin, il le notifie pas sur le live. Plagiat Decade. Carte en avance, let's go. La carte corps, héros élémentaire, si elle vient sur Dueling, ce deck sera viable, les mecs. Je ne sais plus ce que fait Core, en fait. Oh là, on n'a pas une bonne main, là. On n'a pas une... Ouais, non. Attendez, je perds combien de cartes avec tout ça? Je perds tellement de cartes. Je perds beaucoup trop de cartes. Pourquoi, pour ton deck Laval, tu prends pas le talent télépathie? Ça ne change rien. Il n'y a pas de réel combo à faire avec télépathie avec le deck. Je ne crois pas. Activer l'effet de Celestia. Hop, on détruit ça. Tu me le juste avec ton deck. Est-ce que t'aimes bien l'événement gladiateur et que penses-tu du deck maintenant? L'événement est déjà plus sympa que le dernier. Genre le dernier était infâme. Enfin le dernier événement, le premier événement de l'île des gladiateurs était infâme. Genre il était nul, as fuck. Et... Sinon, enfin, nul. Le concept est pas mal, mais genre niveau récompense, c'était pas ouf. Et pour le deck actuellement, il est pas bien. Il est pas bon, clairement. C'est Tortue Seigneur Lumière sur Dueling, c'est trop simple, tu te fais deck out. Mais c'est un deck où il faut rusher, en fait. Si l'adversaire arrive à tempo, t'es foutu. Ça, c'est vrai. Niveau skill pour Laval, Titan Showdown et le must, je trouve. Je ne sais pas. Donc là, en fait, il va attaquer Celestia, il va invoquer un token, je crois que c'est ça, et après il sacrifie le token. Allez, Sauveur Bacon. Tu pourras faire une vidéo pour voir quelle carte à prendre avec les tickets. Le problème, c'est que... Et maintenant, il y en a trop, et en priorité... Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de grosses cartes à avoir avec les tickets. Qui sont vraiment hyper nécessaires, puisque, bon, à part le deuxième contrôleur d'ennemis, mais sinon... Go faire une vidéo mensuelle. Après, je peux faire ça. Je pourrais faire, mais ça ne changera pas grand-chose. Hop. On va sacrifier Jeanne. Tu joues Laval ou la Crash? Je joue Seigneur Lumière. En tout cas, j'ai compris le jeu de mots, c'est assez dégoûtant. Avec les prismas, tu prends les cartes de farm. Avec les prismas, faut prendre les cartes de farm. Toujours pas de Celestia, by the way? Non. Toujours pas. Oh. No way. Continue à attaquer, oui.
Bah pile poil le létal, bien joué. Nice. Ouais, donc clairement le super chat c'est vraiment perdu. Ils ne veulent pas l'afficher sur le live. En tout cas, encore merci. Hein. Go faire un opening avec les gemmes que tu as eues à l'event. Alors attendez. Bah ça va être un gros opening. Hein. Les gars. Pas une bonne main. Là ça va être un gros opening à 66 gemmes. allez, un dernier duel. Un dernier duel. Tiens, Jaze. 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 Ah oui, insane. Et après, on fait l'ouverture à un booster. Alex Lafarge. Coucou les mamotins, au fait. Les mamotins. Marmotins. Marmotins. Ou par exemple, on parlait dans un live quand... Le fameux... Quand le farmé à 2700 de Kuribo sera fini. C'est vrai. Mais après, les tickets, c'est pas... J'espère que là, mon message va passer, lol, Romain. 2€ de super chat. On verra bien. Mais, faudrait que je vérifie, mais bon. T'inquiète pas, je les reçois, y a pas de souci, Romain. Et je t'en suis très reconnaissant. Give me your gems. J'étais en train de répondre à quoi là? Il va rage quit, j'ai fait des matchs contre lui, il a abandonné. Ouverture un pack. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Tu m'as coupé, l'herbe a l'air plus verte. Oh là-bas, l'herbe a l'air plus verte! Mais non, mais no way! Il a perdu un flongis, du coup lui il est boosté. Il est absolument pas boosté puisque ce n'est pas ce n'est pas un Laval, puisque bien sûr dans un archétype on va mettre des monstres qui n'ont pas le Laval dans leur nom. Un booster c'est 50 gemmes, 1 x 500, 1 x 50. T'as des infos sur les prochains boosters qui vont sortir? Non. Quand il y aura des infos sur les prochains boosters qui vont sortir, il faut aller sur le Discord dans le salon, comment s'appelle-t-il? Lix, voilà, dans le salon Lix. Et merci Léo Bellitran pour tes 5€ de super chat. Merci beaucoup. Bon, attendez, il faut... Don hype. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que Chevalier Gem peut être pas mal? Il est pas mal le deck. Bon, je vérifierai pour le prochain live YouTube, du coup, pour les super chats. Je trouve ça bizarre que ça ne notifie pas dans mes trucs. Ou alors je sais pas, j'ai peut-être pas fait gaffe et attendez. On va aller dans Google, pas du tout dans Google Chrome. On va aller là. Par contre j'ai top deck le Wolf et ça c'est vraiment génial. Ça c'est vraiment génial. Hop, on va aller sur Tipeee. Il y a quelque chose qui chain. On va vouloir se connecter avec YouTube. Vous me prévenez hein, quand il a arrêté de réfléchir. Ah, c'est vrai, je ne vois pas le chat. du coup, bah on va attaquer, on va tenter d'attaquer. Tu reçois pas une toute petite part des dons super chat? Les dons super chat, oui, hein, ils sont. Dites-vous que à la fin, c'est divisé par 4. En vrai, le mieux... Oh, nice. C'est quoi ça? Ça fait quoi? Tous les monstres Laval, enfin, ça tombe bien, c'est pas un monstre Laval. Qu'en penses-tu du deck bête cristalline avec Bujin? J'ai jamais testé. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il faut partout, là. Ah, oh. Durant le tour de chaque joueur... Oh, bah, ok, ils se détruisent tous les deux. Très bien. Comment on fait pour volontairement regarder une super pub qui rapporte 50 points et 35 centimes? Ça, c'est par période, Shinigami. Des fois, il y a ça. Et des fois, il n'y a pas. Et donc, oui, je disais, Flogi, non, bon, on va rester sur ça. Donc ouais, les super chats, dites-vous qu'à la fin, c'est divisé par 4 pour moi. Le mieux, si vous voulez faire des dons, c'est via Tipeee, mais bon, si vous préférez par super chat, c'est comme vous voulez, hein. C'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Et j'ai fucked up. Bon, on va faire l'illusion, c'est pas grave. Héros, on l'a pas, non.
les Heralds. Yo bro, un grand fan de toi du Maroc. Petite question, ils ont ban le deck Sylvan? Pas vraiment ban, c'est pas vraiment le terme. Mais il y a des cartes qui ont été limitées dedans, qui font que le deck est clairement plus trop jouable, en tout cas niveau méta. Hop, on va sacrifier du coup Jeanne. Et on va invoquer Gragonite. Et on va taper avec Gragonite. Hop! Voilà. Ah, Flogis. Ok, bon, il passe à 2600, c'est incroyable. Alerte box. Edit. Et sponsor. Non, pas sponsor, super chat. Oui, les super chats sont activés normalement. Bizarre. Qu'est-ce que tu fais toi, Trap Van, dégage. Jeanne, au secours. Jeanne. Gem Knight, c'est sympa grâce à la nouvelle Fusion Spell. Ouais, la nouvelle Fusion Spell est genre. Ouais, moi je ne sais pas. C'est peut-être un bug de Tipeee ce soir et. Mais non Mais waouh. Bon. Bientôt sur le live. Yep. C'est surtout bientôt la fin. Je pense qu'on va faire un petit peu de duel auto après. Boum, 1800. Boum, 1700. Perfect lethal. Mais genre le wolf, c'est terrible. Ça pioche des cartes, en tout cas. Ah, ça pioche des bonnes cartes. Bon, du coup, on va terminer ce live sur... on va ouvrir un booster. Le létal. Ah non, en plus, c'est que des clés, quoi. C'est même pas des gemmes. Mais non, mais je m'en fous de ça. Le létal de la fin. Quoique, la Duelist Island, j'en suis à où? Récompense. Genre les récompenses, je suis à 70 000. Si j'ai Soon... Ah, j'ai Soon 50 gemmes. Donc on va faire mes duels auto. Et comme ça, voilà, si vous avez des questions à poser, bon, j'y répondrai. Avec qui je duel auto en ce moment? Avec qui je duel auto? C'est avec Pegasus. Reste pas fan du Seigneur Lumière. Ouais, comme ça, on va pouvoir acheter deux packs, les gars. Et on aura la Célestia dedans. Les gars, on est trop chaud. Bon, d'abord, la Duel Island. Andal. Groar. Ne vend pas la peau de l'ours. Il te reste combien de persos à monter? Wouh. Il m'en reste encore quand même pas mal. Faudrait que je regarde. Le contenu du live, les duels auto qui permettent de distraire une foule en délire. Exact. T'as arrêté les VOD des replays de Bonobo. Dommage. Yep, j'ai arrêté ça. À l'époque, je pouvais le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, ça me demanderait trop de temps. Ça me demanderait beaucoup trop de temps. Ok. Ou contrôleur d'ennemis. En mode défense, Seigneur Lumière, c'est un deck que tu aimes bien. J'aime bien Seigneur Lumière, indéniablement, ouais. Indéniablement. Pip, pip, pip. Hourra pour les duels auto. Bon, S8 et 3 sont proches de 45 pour ma part. Mais toi, tu farmes beaucoup trop. Mais non, j'en suis pas... Faudrait que je regarde. Faudrait que je recheck. De savoir où j'en suis. Non, pas lui, là. Alors, toi, ça va être Amers Fourrure. Ah, c'est un Blue Eyes. Un Blue Eyes, ça va être facile à défoncer. Plus vite que toi. Tu regardes la série des Tsuharu? Yep. Et je sais que la nouvelle saison de Tsuharu Majutsu no Index sort en octobre. Et ça, les gars, des années après. Des années après. La suite de Index, quoi. Waouh. Et ouais, la série des Tsuharu, c'est dans mes premiers... C'est dans les premiers animés que j'ai regardés. 8 ans après. Mais waouh, c'est quoi ce deck en face?
Vous avez quand même vu ce qu'a fait le bot. Le bot a quand même mis arme noble Caliburn sur mon monstre à moi. Sur mon monstre à moi pour ce heal de sas. Wouh. Ce genre de Reagan. Les gars. Allez. Copy, deck. Oh, magicien sombre. Tellement facile. Ils m'ont donné Free Vion aussi. Tu passes sous le bureau de Konami pour les Free Vagrants. Ouais, j'avoue, Elec, tellement free to play avec deux Vion. Forcément. On peut voir ton deck duel auto, s'il te plaît. STP. C'est à peu près le même que j'ai fait à l'époque, si tu cherches deck de duel auto. Sauf qu'à la place des monstres à peut-être 1800, 1850, c'est des monstres à 1900. Ou 1950 dans le cas de ce petit con, Heliotrope. Vion, tu l'as une fois en payant 500 gemmes, et la deuxième fois en mettant de l'argent. Et une troisième fois en mettant encore l'argent. Pegasus et télépathie. Nani. Allez. Non, toujours pas. Il va me falloir un petit peu plus de duels. C'est comme les gens qui ont triple sarcophage comme moi. Free to play. Tiens, le Yuya. Oh, un Slifer. Alors lui, les gars. Osiris Tenkuriu. Lui, on va le défoncer. Si t'as pas lu Line Novel, t'es pas prêt pour la saison 3 de Index, Alex. D'ailleurs, t'as vu le trailer officiel de la saison 3 sorti la semaine dernière? Donc non, je n'ai pas lu le Night Novel. Je regarde que les animés, moi. Genre, même pour My Hero Academia, Shingeki no Kyojin, tout ça. Et j'ai vu le trailer, oui. Et je me dis, bon, avant octobre, il faut vraiment que je me retape tout la... Faudrait que je me retape l'animé pour me resituer, puisque, mec... L'animé, quand je l'ai regardé, ça devait faire... Ça doit faire 4 ans que je ne l'ai pas vu. Hein. Le nom du deck, Poggers. Maintenant que je ne serai pas... Mégalomacheur. Oh, si. Oh, ça pourrait être pas mal. Faudrait voir. Tu penses quoi, les decks X? J'espère juste, perso, qu'il n'y aura pas avec des cartes pour Tiek Tyrion. Je trouve qu'ils auraient pu éviter ça. J'aurais pu rester sur le format normal. Ils auraient pu rester sur le format normal, genre... pas ouf. Je dirais que c'est quand même pas trop ouf d'avoir mis tout en payant. Allez, je te donne l'ordre précis de l'histoire. Chronologiquement, Reagan, Index, Reagan S, Index 2. Moi, j'ai d'abord regardé Reagan 1 et 2, après Index 1 et 2. En vrai, les deux se chevauchent, donc... Après, qu'est-ce qui était sorti en premier? C'était pas Index. Après, moi, j'ai préféré... Bon, c'est vrai que Index, c'est vraiment bien, mais... Je préférais... Reagan pour la main character, en fait. Si je me souviens bien, c'est Misaka Mikoto. Si je me trompe pas dans le nom, je crois que ça doit être ça. Il y a rien de ouf dans ce deck silencieux. Il y a le monstre qui est vraiment pas dégueu. Mais ils sont encore en train de klaxonner, il est bientôt 11h du soir. Il y en a qui dorment, qui dorment pas, qui live. Mikoto, c'est ma waifu aussi. Une fille qui porte des caleçons. Mission. Donnez-moi... Oh, mais en plus, on a 5 gemmes. Ça va nous faire la différence. On va récupérer des gemmes ici. Non, absolument pas. On va récupérer des gemmes ici. Absolument pas. On va récupérer des gemmes ici. Et oui! Il devrait juste augmenter de 500 gemmes à chaque exemplaire en plus. C'est pas bête. Ça pourrait être aussi quelque chose comme ça. Et on va prendre ça. Et du coup, on va essayer d'ouvrir deux boosters. Avec ce qui est normal, la France championne. Mais je m'en bats les couilles, ils sont pas obligés de klaxonner comme des débiles. Ça ne change rien. Ça ne change rien.
Bon alors, il me reste combien de boosters déjà? 26? 27. Deux boosters. La coupe du monde de foot, la joie d'être dérangé par les glandus qui sont trop contents pour rien. Après, moi, qu'ils soient contents, moi je suis pas fan du foot, mais qu'ils soient contents, je veux bien, c'est très bien, génial. Mais putain, arrêtez de klaxonner comme des débiles. Ça ne change rien. Pourquoi ils mettent pas un pack gratuit où tu veux par jour en vrai? Par jour, ce serait un petit peu abusé. Mais un pack gratuit par semaine, pourquoi pas? Même si en vrai, c'est 50 gemmes. Et c'est déjà le cas. Allez! Si j'ai Celestia dans ce pack, la semaine prochaine, je fais d'abord Seigneur Lumière et après Magidolls. Celestia! Bon, déjà, il ne sera pas ici, apparemment. Pray for Celestia! Ticket Magidolls. Allez! Allez! Les pecs! Là, vous, les pecs, les pecs, les pecs, les pecs, les pecs, les pecs, les pecs. Tout le monde, les pecs! Faites comme moi! Pray for les pecs! Allez! Bon, je peux aller me faire voir. Sinon, vous pouvez me soutenir gratuitement grâce à Utip, et l'argent que vous me ferez gagner grâce à Utip, ce sera pour acheter une Celestia. Leçon Magidolls, Cayenne, Koalo Koala. Non! Non! Ah bon bah go acheter avec l'argent des abonnés. Après, putain mais j'ai pas envie de mettre de l'argent dans ça, ça coûte beaucoup trop cher. Je vais pas faire ça hein. No joke, je vais pas faire ça hein. Déception, it's our name. En vrai. J'ai eu des dons ce... Ah. Est-ce que je dépense? J'ai eu des dons ce... pendant ce live. Est-ce que je dépense 5 euros? Est-ce que je dépense 5 euros? Do it. Oui, dépense. Non. Utilise l'argent, oui. 10 euros. Fais-le. Bon, allez. 5 euros, ça va. 5 euros, ça va. Et vu les dons d'aujourd'hui... Ok. Allez, on peut se dire que oui. Par contre, je vais faire gaffe. Je vais juste couper puisque je ne sais pas ce que ça montre déjà quand j'achète. Donc je reviens. Ah mais j'ai pas de fonds. Ajouter des fonds. Bon attendez. Attendez, j'ajoute des fonds. J'ai pas d'argent sur Steam. Et en plus j'ai 50 gemmes, je pourrais acheter un booster après. Bah je suis obligé de prendre. Oh, putain, en plus je suis obligé de prendre 10 euros de fonds. C'est pour ça que j'aime pas acheter sur Steam. Mais on va ajouter les fonds comme ça. Allez. Allez, mon compte PayPal. Il est pauvre, Dame! Genre, pourquoi je peux pas dépenser directement les 5 euros là? Rends l'argent à Utip. Nocturne84 s'est abonné, bienvenue. Enfin, viens de follow, bienvenue à toi. Et revenir au magasin. Non, mais non, enfin, je voulais pas retourner dans ce magasin là. Du coup, bah, j'ai dû prendre 10 euros. Putain. So sad. Ah, attendez, remettons le jeu. Et il y a intérêt à ce qu'il y ait la Celestia dans ce booster. Hein, dans ces 5 boosters, hein, puisque sinon je vais être assez mad. Hein. Guerrier Laval. Bon, de toute façon, après, cet argent, il reste sur mon compte de Steam et ce sera pour la prochaine box, à la limite. Les pecs! Les pecs, les pecs. Alex, stop, passez sous le bureau. Dame, les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Présentation d'Adek avec les muscles chevalier noble Laven. Scorpion d'acier, Zircon. Les pecs. Les pecs, les pecs, les pecs. Allez, 2 boosters sur 5. Allez, dans le prochain. Dans le prochain. Putain. Mais à quel moment? Mur tourbillon de lave. Dragon voltaïque, confrérie. Les pecs, les pecs. Bon, j'en ai marre des pecs. Mais non! Ça va être le dernier booster de cette putain de box de mort. 1 sur 22. Dragon Tigre, le dernier. Oh! Bon, en vrai, il reste...
Il va avoir la pire SR. En vrai, dans la boxe, il reste. Dans les SRUR, Celestia, l'âme, le monstre à 2000 qui s'invoque spé en retirant du jeu un monstre lumière, la princesse Magidolls, le monstre Gémeaux et le panda. Le panda de merde. Allez, Celestia! Pray for Celestia! C'est un monstre, mais c'est que des monstres, les SR et UR. Donc ça m'indique pas trop. Oh, marchand j'aime. Koala! Miguel vient de follow! Miguel, si Celestia! Et si c'est Celestia, dédicace à toi! Panda des trésors, fils de... Tchao! Panda de merde! Panda de merde! C'est ta faute, Miguel! Miguel, c'est ta faute! Rachel, par contre, calmez-vous. La pire! Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais même plus ce qu'il fait. Vous pouvez bannir face verso 3 magies pièges depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre normal depuis votre deck, dont le niveau est total et égal au nombre de cartes bannies. Mais de la merde! De la merde! Bon, par contre, du coup, Allez, un pack. Il reste encore un pack. Il reste encore un booster, les gars! Le booster! Oh, c'est mort. Esprit du héros! Major de Scott! Putain, je me suis vraiment abonné pour rien. Oh, terrible. Terrible. Bon, bah... Saussade. Le jeu d'Inop. Vous allez voir que ça va être la dernière carte. Ça va être tellement la dernière carte. Celestia! Celestia! Tu peux me rembourser, du coup? Non. Je ne peux pas rembourser via YouTube. Déjà, en plus. Vaut mieux quel pack pour le deck Chevalier Gemme? Il y a les deux packs où il y a des Chevaliers Gemmes, en fait. Genre Burning Nova et je ne sais plus lequel, bah, bref. Donc voilà, bon, j'espère que vous aurez quand même apprécié ce live. On se quitte aujourd'hui, on se quitte ce soir. Tout de suite maintenant. Je prends PayPal. Donc du coup... A plus tout le monde, bonne nuit, on se retrouve pour le prochain live Duel Links, il sera jeudi 20h30, ne l'oubliez pas, jeudi 20h30 sur Twitch, je vous mettrai le planning sur Twitter, sur le Discord, sur YouTube, et je vous le rappellerai en présentation de deck, mais soyez là jeudi, et ouais ça va être le dernier pack, et du coup on se retrouve la prochaine fois, allez bye tout le monde, bonne nuit!